Non, pas du tout. Non, je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas mis le cheval. Alors, c'est absolument rien à voir avec le niveau, parce que je connais déjà les complotistes, tout ça, tout ça. Non, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Et c'est vrai que j'y repensais à Melun, en me disant, putain, le prochain tableau nord, faudrait que je refasse ce truc. Je m'étais dit, même. Au départ, je voulais faire une entrée en scène, mais je peux pas, parce que j'ai le fil qui va merder. Mais je voulais faire un truc façon, vous savez, dans TF1, vous savez, le mec, il est caché, puis il se retourne et fait. Bonjour! Comme ça. Enfin, pas du tout. Alors, en tout cas, donc on est sur du Silver 3. J'ai la confirmation, Silver 3 pour cette game. Donc, le UTR qui est notre viewer et on va attaquer tout de suite. Alors, je vais juste attendre que tout le monde ait son niveau 1 et soit sur la lane. C'est parfait. Alors, petit rappel déjà, quelque chose de très important puisque, bon, ça a été. Je sais, là, dans les commentaires, il y en a qui vont faire non, je voulais l'autre replay. Ça s'est joué entre Genji et UTR. Deux persos qu'on voit peu sur des tables noires, malgré l'immense succès de Genji. UTR, c'est un petit peu plus un public de niche. Mais en l'occurrence, UTR, un personnage qui est un support parfois même mal aimé, on va dire, par la communauté, puisque j'ai envie de dire il est le chêne des supports. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est de la merde, UTR. Parce que ce n'est pas une Morales, ce n'est pas une Alexstrasza qui soigne des quantités de heal astronomiques, parce que quand vous mettez hors de position, bah, ce perso peut vous tenir. UTR, c'est pas le cas. Donc les gens se disent, oh, UTR, ça sert à rien, c'est nul, blablabla. UTR, pour moi, a un seul intérêt en solo queue, parce que le problème en solo queue, enfin deux intérêts, pardon. Pour moi, en solo queue, le problème d'UTR, on pourrait dire, ça carry pas. Bah, ça carry pas par les soins, UTR. Du coup, c'est un support qui, on pourrait dire, il sert à quoi à ce. Voilà. Bon, j'avais fait une vidéo sur les supports, j'espère que vous l'avez regardé. Mais j'espère, vous êtes censé avoir regardé les vidéos de From Zero to Heroes avant d'attaquer les tables noires normalement. Mais du coup, UTR, eh bien, c'est un sup qui a énormément de CC. C'est le support avec le plus de contrôle du jeu. C'est le support le plus tanky aussi par rapport à tous les autres, bah, celui qui a de l'armure et des PV. Et c'est le support qui, avant l'arrivée de White Mane, et même malgré que White Mane soit là, est le support le plus anti-burst du jeu. Vous allez me dire, mais White Mane, Malia? C'est différent. White Mane, ça tient en longueur un mec, donc en mono cible. Et le problème de White Mane, c'est quasiment, enfin c'est même exclusivement, vous allez me dire, mais il y a l'armure, mais le gars, oui, mais bah, c'est un ultime et tu l'as pas tout le temps. En l'occurrence, White Mane, son anti-burst ne se résume que par du heal. Ce qui fait qu'un anti-heal, bah White Mane, elle pleure. Elle est là, comme ça. UTR, lui, un anti-heal, c'est chiant, mais d'un autre côté, parce que c'est du burst. C'est du burst mono cible, c'est de l'anti-burst mono cible donc il y a des gros soins. Mais en vrai, UTR, sa grande force, c'est surtout l'armure. Il donne de l'armure aux alliés. Il donne du burst heal, mais de l'armure. Du coup, de l'anti-heal va bloquer le soin d'UTR, mais dans tous les cas, il y a l'armure. Donc le mec va prendre moins cher que ce qui était prévu. Et c'est ça la grande force d'UTR. Donc UTR, très souvent, que ce soit en compétitif comme en solo queue, c'est un pic. Je dirais de réaction. Après, ne jouez pas, ne soyez pas, si vous êtes un joueur de support et que vous vous dites, ah là, il y a peut-être une composition qui nécessiterait un UTR, du coup je vais jouer UTR. UTR, si vous ne savez pas jouer UTR, le jouez pas. Il faut s'entraîner. UTR, c'est vraiment très particulier. Et UTR, il y a deux véritables intérêts à jouer UTR en solo queue. Déjà, évitez contre. Parce que vous pouvez vous automatiquement vous contre-draft vous-même. Parce que le problème, bah, c'est que UTR, en tant que support mono-cible, et qui devient très vite, donc il peut pas soigner énormément. Bah, le problème, ça fait que UTR contre du pot, typiquement contre des joueurs, contre des Asmodan, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est impossible, n'oubliez pas, ne tiltez pas, s'il vous plaît, au draft. Vous êtes les plus. Ceux qui font ça, vous êtes les plus gros connards. Donc ne tiltez pas au draft. Ou alors, vous pouvez de votre côté en disant putain, fais chier, il y a un Murky. Mais n'insultez pas le joueur de Murky, n'insultez pas les mates, etc. Enfin, non. Hein, ok, on peut gagner avec les pires drafts, on peut perdre avec les meilleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que UTR contre un Asmodan par exemple, qui va être beaucoup plus basé sur du poke, ça va galérer contre de la Lunara qui va mettre énormément de dégâts en zone, sur le dot, etc. Ça va vraiment galérer pour UTR. Il y a des maps aussi qui vont faire plus mal à UTR que d'autres. Par exemple, UTR sur Volskaya, très mauvaise idée. Pourquoi? Alors après, avec un UTR, on peut faire du double sup, potentiellement, hein, pour, on va dire, appuyer un petit peu le UTR. Mais UTR, c'est un kit très très utilitaire et surtout sur des cartes où il y a par exemple ça va se fight pendant des heures sur un point, bah, UTR il va galérer. Par exemple sur Tour du Destin, bah, si jamais la situation s'envenime sur un point, UTR ça va être très compliqué. Mais sur le papier ça va, hein, Tour du Destin ça va. En plus il y a même beaucoup de guérillas, etc. dans lesquels il va pouvoir vraiment rayonner. Mais par exemple sur une carte comme Volskaya ou Sanctuaires Infernaux où il va falloir vraiment tenir longtemps une zone, surtout Volskaya. UTR, bah, il va mettre deux heals et.
Et bah bye quoi, ça va galérer. Donc c'est vrai que éviter Uther sur Volskaya ou alors en double support, mais sinon en solo sup c'est compliqué. Donc à quoi sert vraiment de jouer Uther? Uther c'est l'anti-cac par excellence. C'est-à-dire que là par exemple il y a un Butcher, donc je suis persuadé que le viewer s'il a joué Uther c'était aussi pour contrer le Butcher, puisqu'il y a un Butcher. Butcher c'est un hyper carry corps à corps, comme peut l'être un Illidan ou autre, et ils vont rentrer dedans, et si on les arrête pas, ils vont tout casser. En l'occurrence, Uther, il a de l'arrêt. C'est typiquement, vous savez, c'est le CRS. C'est-à-dire que Butcher, c'est le jeune idéaliste manifestant qui lance des cocktails Molotov au corps à corps, parce que c'est un Butcher. Uther, lui, c'est le CRS. Et il a une grosse, il a une grosse matraque et un gros bouclier, et c'est l'heure de la garde à vue, c'est l'heure de l'interpellation. Et du coup, Uther, il rigole zéro là-dessus. Donc la grande force d'Uther, c'est l'armure. Très très gros anti-burst avec l'armure, le Divine Shield et le burst heal. Il a énormément de CC pour calmer les adversaires. Mais qui dit calmer l'adversaire dit aussi offrir des opportunités aux alliés. Puisqu'il a tellement de contrôle, bah, que pour les alliés, c'est une aubaine. Les mecs vont être stun, ralenti, stun, etc. Et du coup, bah, par exemple, vous avez un Thrall, un Gul'dan, bah, pour eux, c'est très facile de caler leurs dégâts en fait. Même pour un Diablo, tu stuns un mec près du mur, ça va peut-être permettre de laisser du temps à Diablo qui va bam, emplafonner quelqu'un. Donc Uther, pour moi, c'est soit vous le prenez pour ses CC en réponse aux adversaires, soit vous le prenez pour sa capacité, enfin de toute façon dans tous les cas vous le prenez pour le CC, mais sa capacité à punir l'adversaire et sa capacité d'anti-burster. Et la troisième, ça va être un peu de dueliste avec un build Q-spell, on verra. En tout cas pour le moment il part sur un build Q-spell. Moi je suis pas très, moi je ne conseille quand même pas le build Q-spell en solo queue parce que déjà c'est très égoïste, c'est un peu je m'en bats les couilles des autres. Donc moi par exemple typiquement quand j'ai un Uther Q-spell dans ma team je me dis bon ok il s'en fout un peu de nous quoi. C'est un peu le support spécialiste hein. Mais lui il dépêche pas, c'est juste qu'il s'en bat les couilles, il veut stun. Donc moi j'aurais tendance à préférer, à privilégier le build contrôle de Uther qui va vous offrir aussi un peu de dépush et autres. Je vais essayer d'avoir le guide bien sûr d'Uther. Donc on va attaquer. Alors déjà des choses à dire sur les talents, sur les compositions. La composition bleue, double support avec abatture Morales. Donc inutile de dire que honnêtement, eh bien la compo bleue déjà d'entrée de jeu elle va être très forte contre Uther. Pourquoi? Parce que là on pourrait dire, bah Malga, tu nous as parlé de Lunara, d'Asmodan, blablabla, pourquoi ce serait fort contre Uther? Bah Uther contre Morales, ok les deux ont beaucoup de burst, d'anti-burst heal, avec White Mane c'est les trois meilleurs anti-bursters du jeu en support, mais le truc c'est que Morales, elle s'épuise beaucoup moins vite qu'un Uther. Elle va pouvoir soigner, 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 soigner. À un moment donné, ok, elle aura plus d'énergie, elle régène, et elle peut soigner tout le monde. Le problème c'est qu'une compo Uther, très souvent, t'as envie d'attraper un gars et le défoncer, très vite. Ça contre Morales, c'est dur. Ça contre Morales, c'est très dur. Et là, le schéma de jeu de la compo rouge, ils ont Maiev, Thrall, Diablo, Uther, donc ça peut punir excellemment vite. Et il y a une Morales, donc ça va être plus dur. Après, on peut punir la Morales, hein. Je rappelle qu'un stun sur Morales, boum, le soin est brisé aussi, hein. Le soin est brisé, et du coup, le mec qui se fait burst, il a plus de heal. Abattur pour gérer le global, pour gérer la macro, et t'as double support pour potentiellement protéger un des autres gars. Un seul distance chromie, donc le wave clear est un petit peu compliqué jusqu'à maintenant. Un seul distance chromie, c'est que du skill shot, donc ça s'esquive. Dans le meilleur des mondes, hein, bien entendu, pas en silver, pas à bas elo comme à moins elo d'ailleurs, parce qu'on peut rigoler, mais en gold, platine, diamant, hein, ça esquive pas non plus. Un peu plus, mais bon, hein, c'est pas non plus dingue. Du coup, Butcher, Arthas, même en master, hein, rassurez-vous. Du coup, Butcher, Arthas, deux corps à corps. Donc on a un seul carry distance, c'est chromie. Deux supports avec un seul carry distance chromie, je peux vous garantir que c'est pas facile, hein, parce que. Quand t'as une compo double support, très souvent c'est pour exacerber ce qu'on appelle un hyper carry, c'est-à-dire qu'un carry normal, s'il a l'aide de deux supports, il peut, mais rentrer par rapport à son kit, il peut rentrer énormément de dégâts. C'est d'ailleurs le cas de Butcher. Butcher avec un double support, bah, il peut rentrer dans les teamfights, bourriner tout et avoir énormément de dégâts. C'est le cas de Vala par exemple, très connu, Vala en hyper carry et en distance. Potentiellement une Vala toute seule avec un seul support c'est plus dur, avec deux supports elle peut prendre des risques, elle peut rentrer des multishots, faire vraiment énormément de dégâts. Chromie c'est pas vraiment le cas, hein. Chromie ça poke à distance et tranquille, donc double support pas très intéressant avec Chromie. Mais bon, à la limite il y a Butcher. Et Arthas en main tank, très facilement punissable Arthas puisque bah, il est obligé de s'avancer, donc ça se punit vite. Il aura la robustesse glaciale pour les soins, pour les contrôles du terre, mais ça se punit vite. À côté de ça, donc la compo, les deux compos sont... Je préfère la compo rouge, mais la compo rouge, il va falloir être quand même bien chaud. Déjà, instantanément, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des talents, qu'encore une fois, ne tiltez pas au draft, merci. Mais jouez votre draft. Même si vous avez un draft qui n'est pas forcément dingue, typiquement, je pense que beaucoup de gens doivent se dire, putain, le draft bleu, c'est fou.
Enfin, on va dire ta condition de victoire, c'est Butcher quoi, hein. Il va falloir que le Butcher il rende des dégâts et il y a Uther en face. Donc déjà la condition de victoire des bleus, eh. Mais plus le fight va s'éterniser, plus ça va être dur pour plus ça va être dur pour la compo bleue parce que pour la compo rouge parce qu'ils ont Uther. Mais d'un autre côté, ils ont un Gul'dan, donc ça va rentrer beaucoup de dégâts, ils ont un Thrall, etc. Mais la compo, à partir du moment où t'as Diablo, Uther, Maiev, t'es déjà dans l'optique de on écrase un gars et on repart. Hein. C'est pas vraiment juste on va fight longtemps, on va être tranquille, tout ça, tout ça. Donc Uther, ça va vraiment réussir à bien calmer le Butcher, mais malgré tout, bah, ils vont pouvoir poncer un petit peu sur le long terme. Et sur le long terme, Uther, il peut pas tenir le poke de Chromie plus plusieurs engages de Butcher sans que Butcher meure en fait. Donc faut que les fights soient courts et que les rouges prennent des kills. Du coup, quel est le premier problème? Chaîne d'éclair rouge. Pour moi, ça, c'est un mec qui a pas compris. Parce qu'encore une fois, quel que soit le draft, il faut jouer votre draft. J'ai sorti une vidéo. Alors, je crois qu'il est sorti. Je sais plus. Mais de toute façon, il y en a d'autres qui arrivent sur YouTube. Je vais une game à un moment donné où je suis en solo queue. Vraiment solo queue. et je joue Illidan. Et j'ai dans ma team un Asmodan. Typiquement, le pic d'égoïste par excellence. Asmodan en mode je m'en bats les couilles, moi je poke et vous vous démerdez. Et à ce moment-là, t'es en mode, ok, bon bah, il a pick son Asmodan, il va falloir que je joue en conséquence. Je vais pas all-in comme un abruti parce que j'ai pick Illidan et il me joue comme ça, non. Donc je vais m'adapter. Et en l'occurrence, je vais attendre que ça poke avant de rentrer dans les teamfights. Là, le problème, c'est qu'un pick Uther, c'est ce que je disais, ça force un gameplay en particulier. Du coup, le Thrall qui joue chaîne d'éclair rouge. Après, il y a quand même une modération dans mes propos, on va y venir, mais chaîne d'éclair rouge sur Thrall, ça veut dire poke, ça veut dire long terme, ça veut dire on travaille au corps les mecs. On travaille au corps les mecs et ensuite on va pouvoir go. C'est le principe. Hein. Je rappelle que la chaîne d'éclair rouge elle n'augmente pas les dégâts de la chaîne d'éclair initiale. Hein. Ça, si vous voulez burst un gars, c'est double chaîne d'éclair bleu. Hein. Ça sera plus de dégâts qu'une chaîne d'éclair rouge. Chaîne d'éclair rouge c'est pour faire des dégâts un peu à tout le monde et poke. Du coup, avec Uther, c'est un petit peu anti-synergique. Il y en a un, il veut un fight court, l'autre il veut un fight long. Après, en solo queue, les fights longs très souvent sont mal gérés par les joueurs, ils font des erreurs, etc. Surtout à Baello. Mais du coup, le Thrall, on peut se dire, bon bah, il s'en bat les couilles du terme. Ok. Après, moi, je peux dire, ce qu'on peut défendre avec le chaîne d'éclair rouge, et on peut se dire, après, d'un autre côté, c'est Morales à battre, c'est deux supports mono-cibles, du coup, la chaîne d'éclair rouge, elle touche tout le monde, blablabla. Ok. Moi, ce que je vais vous dire, c'est Morales. Si le joueur est pas trop con, et même en silver, normalement, la Morales, machinalement, bah, elle va soigner les mecs qui ont pris des dégâts. Et elle va faire bzut, 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 allez salut. C'est du coup la chaîne d'éclair rouge moyen moyen on va dire, hein. Vraiment pas terrible ici, je trouve ça pas fou. En plus le Gul'dan sera là pour assurer de toute façon le poke poke poke, donc Thrall chaîne d'éclair rouge, la chaîne d'éclair bleu se suffisait largement elle-même. Maiev qui est parti laisse de justice, donc corruption sur Gul'dan, laisse de justice, donc potentiellement il y a Arthas, Butcher, donc potentiellement deux corps à corps, donc pour stack le niveau 1, pas de problème. Après, il y a un abattur, donc ça fait un body en moins pour stack, mais à partir du moment où il y a deux corps à corps, c'est tout à fait acceptable, donc pas de problème. Puis, c'est une quête qui a pas de plafond. Qui dit quête sans plafond dit. Sortez les parapluies. Quoi ? Non, non, qui dit quête sans plafond dit tout simplement que vous pouvez. Plus la game avance, plus vous allez faire mal. Donc, c'est toujours intéressant solo queue quand les games mettent du temps et potentiellement vous n'ayez pas. Même si ça finit pas, vous avez quand même toujours beaucoup de dégâts pour pouvoir avoir plus d'impact et carré. Build Q-Spell sur Uther, donc l'idée très probablement ça va être de faire des dégâts autour de Butcher, Chromie, potentiellement Poke. Mais du Poke mono-cible contre Morales, bon le Poke c'est pas si dégueu contre Momo, mais mono-cible ça commence à faire beaucoup, on verra. Après d'un autre côté le Q-Spell offre du détag pour potentiellement cancel un paiement, donc pourquoi pas. Mais moi je t'avoue que je te conseille de ne pas jouer Q-Spell. On verra ce que tu vas en faire. Si tu joues bien ton build Q-Spell, de toute façon je serai très 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 exigeant. Puisque en support c'est plus dur de carry, mais ça n'est pas impossible. Je pense que vous l'avez suffisamment vu sur des matchs pro, des games quand j'ai joué le bronze tout. Jouais Viking, mais quand j'ai fait le silver to gold avec le marathon StarCraft, j'ai joué du Stukov, j'ai joué des trucs, ça carry. Hein. C'est juste que faut être bon. Hein. Et ça demande moins d'erreurs que les autres. Donc faut être plus chirurgical. C'est normal, vous êtes support. Du coup. Je serai plus exigeant, on verra ton build Q-Spell, mais d'un autre côté, je pense que le build avec le contrôle, donc l'auto-attaque au 1,
contre Butcher, ça peut permettre d'avoir beaucoup plus de CC. Et je rappelle que l'auto-attaque au 1, même en tapant des structures ou des sbires, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais contre un Arthas, tu as moins auto-attaque. C'est pas grave, dans tous les cas, tu réduis le CD du stun. Et en touchant les sbires et les structures, vous pouvez taper même un scarabée d'Anub. Hein. Vous tapez un scarabée d'Anub, vous réduisez le temps de recharge du E. Qui dit plus de stun, dit plus de blocs de Butcher, dit moins de dégâts pour les alliés. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. S'ils stun les autres, pas besoin de heal des potes qui ne prennent pas de dégâts. C'est ça le principe en fait de Uther. Un support, c'est pas juste du soin. Il peut bloquer le soin de différentes manières, par l'armure, par les contrôles. Et typiquement, bah, c'est le cas d'Uther. Donc j'aurais quand même pris auto-attaque au 1. Salaire de la peur, donc les stuns qui soignent pour Diablo, il est avec un Uther. Je serais personnellement soit parti de part du Diable ou salaire de la peur, donc ça se comprend ici. Arthas qui est parti sur le root au niveau 1, donc augmenter la portée probablement pour mieux engage les teamfights. Donc c'est très bien. Amuse-bouche. Alors là, un des problèmes aussi de la compo bleue, c'est le wave clear. Hein. Parce que Chromie, wave clear, c'est probablement c'est le deuxième mage avec le moins bon wave clear. Mephisto top 1. Pardon. Ou top 48, comme vous préférez. Non. Mais du coup, elle a pas un énorme wave clear, Chromie. Ça va, hein. C'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas terrible. Butcher sans le niveau 1 sur le wave clear, c'est pas terrible du tout. Hein. Et Arthas, c'est lent le wave clear. Donc Morales, 0 wave clear. Donc... et Abattur, le wave clear, il est lent. Vous allez avoir l'XP, mais il est pas non plus en mode pff, j'ai tout dépêche. Donc j'ai du mal avec la compo bleue en termes de dépêche. Alors que de l'autre côté, on a Thrall, on a Gul'dan. Même Uther, bon, c'est pas énorme, on verra son niveau 4. Normalement, ce sera pile Q-spell. Mais il peut avoir du wave clear. Et Maiev, ça va aussi. Donc, on verra. À côté de ça, donc le Z, les glandes pressurisées. Donc, ça veut dire qu'il va jouer autour de Butcher et d'Arthas. Et c'est un très bon choix, honnêtement. La portée de l'explosion des aiguillons juste sur Arthas, ça va être très fort. Ça permet au corps à corps de prendre énormément de dégâts. On va dire ça va permettre au corps à corps d'infliger énormément de dégâts. Et à côté de ça, au 13, ça permettra de mieux soigner les corps à corps. Donc ça, c'est très fort. Morales qui est parti E, c'est le meilleur moyen potentiellement de faire rater des combos Chromie. Donc moi, je déconseille le E au 1. Prenez soit l'auto-attaque, soit le Z. Je vais savoir le guide Morales. Et Z au 1 sur Chromie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas jouer Chromie, bonjour, je ne comprends pas l'utilité de mon personnage, bonjour, je suis un boulet. Hein. Moi, quand je vois ça, ça me fait peur. S'il y a énormément de CC, genre des Xul, des trucs comme ça, où tu peux stack vite avec, bon, mais ça me fait vraiment peur. Hein. Le build Z de Chromie, je pense que c'est si quelqu'un joue Chromie build Z, alors ne tiltez pas non plus, hein, vous pouvez gagner, faut arrêter de tilt de toute façon, que ce soit sur les drafts ou les builds, mais personnellement, moi, dans ma game, je dis, lui, il n'a pas compris Chromie, en fait, il n'a pas compris le principe, donc... Bon, ça va être une game difficile. Ce qui est rassurant pour nos viewers, c'est que déjà je me dis que le draft rouge est beaucoup plus facile à jouer, plus pertinent, parce qu'on va pas se mentir, Abattur en silver c'est pas simple. Hein. Abattur est très très mal vu à bas elo parce que les champs ne savent pas jouer Abattur, et du coup le draft bleu est pas simple à exécuter. Hein. Ok, Butcher, premier stun. Voilà. Instantanément, on a vu la force du terre. Butcher go in, boum, un stun, tu te calmes. Et l'objet de repartir, il a déjà pris un tiers PV. Ok, donc là, vous voyez le problème aussi, c'est que Butcher focalise l'attention. Butcher prend mid life, Morales est obligé d'utiliser ses PV sur Butcher. Et les autres enchaînent sur Arthas et sont en train de lui péter la gueule. Très bonne grenade de Morales d'ailleurs. Très très bonne grenade de Morales. Hein. Qui a repoussé tout le monde, c'était vraiment bien joué hein, de la part de Momo. A vraiment fait le taf. Hein. Petit cœur. Là, vous voyez le problème du terre déjà. Si le premier assaut ne passe pas, là, c'est vous voyez le cas de figure. Ok, Morales, elle a plus d'énergie, mais elle vient de re-soigner tout le monde. Et de l'autre côté, vous avez un Uther qui est mid mana et 2-3 personnes rouges qui sont 50% PV. C'est le problème du terre. Ça, c'est le problème du terre. Là, vous voyez le gros problème du terre. Donc là, dans ce genre de cas, les rouges, bah faites pas les cons. Et un truc très important à gérer sur Uther, c'est la mana. Et. Je fais beaucoup de game viewers, je vois beaucoup de choses à ce niveau-là. Je fais des tableaux noirs, je fais des game viewers, donc je vois aussi comment les joueurs de support font. Et une énorme erreur, enfin deux énormes erreurs en support, à mon sens, qui devraient se corriger, enfin travailler ce genre de truc parce que ça va baisser votre impact. Et les gens qui font, j'arrive pas à carrer un support, bah probablement c'est vous êtes concerné par ce genre de choses. Parce que très souvent en support, il y a la gestion du mana qui est catastrophique et la gestion des CD. La gestion des CD, c'est-à-dire qui je dois soigner, sur qui je vais lancer mes sorts. Et là par exemple, bon là ça a été un, hein, mais par exemple, imaginons que Gul'dan a plus que 1% PV et derrière ses tours. Combien de fois je vois le support soigner le mec qui est sous ses tours
safe, tranquille, qui risque rien, plutôt que le mec qui est en train d'être au charbon et de s'en prendre plein la gueule. Et ça, bah typiquement, bah oui, si vous faites ça, bah instantanément, vous avez moins de chances de gagner. Ouais, il faut soigner les bonnes personnes. Et la gestion du mana. La gestion du mana sur Uther, combien de supports, c'est encore plus important avec Uther, mais combien de supports je vois débarquer sur la phase d'objectif? Bah ouais, mais mec, si t'as plus de mana, tu sers à rien. Et après, vous êtes là, oui, mais moi, quand je leur dis de back, ils back pas, machin. Bah ouais, mais si tu avais timé ton back un petit peu avant, tu serais arrivé sur l'objectif avec du mana. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, c'est aussi pour ça que la quête sur le 1 du terre peut aider. Les autos qui régènent le mana. Et honnêtement, la quête sur le 1 se stack très très vite avec Uther. Et voilà. Et j'ai un main, j'ai un OTP. Un OTP Brightwing qui me confirme dans le chat. Non, je rigole parce qu'il joue beaucoup Uther aussi. Et qui me dit justement, voilà, la quête au 1, c'est vrai que c'est très très dur de s'en passer avec Uther. Même si on joue build Q, hein, mais c'est très très dur de s'en passer. Et j'ai déjà vu d'ailleurs en pro des Uther jouer auto 1 avec un build Q spell derrière. Hein. Pour vous dire à quel point l'auto 1 est très apprécié. Hein. En plus du stun, il y a la régénération de mana. Donc là par exemple, là c'est le moment où faut back. Back ou fontaine. Et je crois qu'il a déjà fontaine. Ah non, il a la fontaine de disponible. Parce que là par exemple, vous voyez Uther là. Il est là, il sert à rien. Donc ça, à bas elo, ça bait. Mais même à haut elo, hein, ça bait de ouf. C'est-à-dire que là, le Diablo, vous êtes joueur Diablo de Gul'dan ou de Thrall, vous voyez le Uther qui est à côté, vous dites c'est bon, j'ai mon support. Donc ils vont prendre des agressions, ils vont prendre des trades, hein, ce qu'on appelle des trades, c'est des échanges, des agressions, des échanges de coups, des fights, etc. Et ensuite ils vont faire, putain, j'ai pas été soigné du fight. Et là ils se retournent, ils font, ah, Uther était Et après là, les joueurs de support vont faire. Ah bah oui, tu fight sans la mana, gna. Bah oui, mais mec, t'es oum non-stop. Ah, la troisième grosse erreur des supports, c'est aussi ceux quand ils disent, ah ouais, mais t'étais trop loin. Bah ouais, mais peut-être que t'étais pas... Après, ça dépend, des fois le mec va mourir sous les tours, et là oui, le support, il peut pas soigner. Mais des fois aussi, les supports sont mal positionnés, et du coup ils disent, ah ouais, mais t'étais trop loin. C'est les grandes erreurs des supports que j'entends, ces trois trucs-là. Donc là, par exemple... Quand vous avez très important de gérer ça, Alt, clic gauche, mais de toute façon si vous avez regardé la vidéo From Zero to Hero, c'est les raccourcis, vous connaissez, Alt, clic gauche sur votre mana, ça indique que vous êtes quasiment vous backez, vous mettez les pings, attention, 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 vous reculez. Parce que là par exemple, il est resté pour mettre un sort, déjà il a soigné Gul'dan, donc là on parlait du deuxième problème chez les sup, il faudrait que je fasse une vidéo peut-être dessus, là-dessus, ouais, pour les sup. Sera assez court, juste ce que je viens de vous dire, mais dans une vidéo From Zero to Heroes peut-être. Mais du coup, le soin par exemple là qui part sur Gul'dan plutôt que Thrall, alors que Thrall est dans la merde, alors là vous allez me dire, oui, mais Thrall pour le moment il a pas besoin de soin, oui, mais il va bientôt en avoir besoin. Alors que là, le soin il est parti sur Gul'dan, et là normalement Thrall est mort. Après, ouais, c'est qu'une chromie, mais Thrall sur le papier est mort, pourquoi? C'est un Arthas. Si le Arthas joue bien, Thrall, le temps qu'il arrive ici, sachant que son regard le dirige par là, donc ça veut dire qu'il va essayer de passer par là. Bah, toute la trajectoire qu'il va avoir jusque-là, il va être ralenti. Et à ce moment-là, toi, tu vas pas pouvoir le soigner parce que t'es Du coup, bon, le problème c'est que c'est Chromie. Ce serait un autre DPS que Chromie. Il y aurait peut-être moyen de prendre le kill. Là, c'est la petite. Ok, le route était passé. Bon, au final, je pensais que ça allait être Thrall qui allait être menacé. Arthas a jeté son dévolu sur le Diablo puisqu'il avait été route. J'avais pas vu le route par contre de Thrall, donc ça a changé mon analyse. Mais du coup, le Arthas s'en est battu les couilles de Thrall, il est parti sur Diablo. T'as pas de soin, Diablo meurt. Première énorme erreur, qui est une erreur très commune des supports, hein, ne t'en fais pas. Morales pour le moment joue vachement bien. Hein. La petite grenade qui a complètement sauvé le teamfight, parce que je peux vous garantir que s'il n'y avait même pas la grenade, ça aurait pu très très mal se compliquer pour Arthas tout à l'heure. Et là, elle se sert du piège de Chromie. Ça, c'est un truc très important. Avec les joueurs de Chromie, ce genre de perso va mettre un piège. C'est pareil avec Chacal. Vous mettez votre piège à peu près. Soit généralement. En fait, le piège va être de deux manières. Soit c'est pour warder, ce qu'on appelle warder. Donc vous allez prendre la vision en fait avec ces trucs-là. Soit en teamfight comme ça frontal, vous allez mettre le piège devant vous. Et si on vous dive, vous servez du piège en fait pour bloquer le mec. Et la Morales a fait un changement de trajectoire en partant par là pour se servir du piège de sa Chromie pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est très très bien joué. Très très bien joué. On est en Silver 3, hein. C'est très bien joué. Donc là, t'as appelé à la retraite, mais c'est trop mignon. Vous voyez ce que je veux dire, genre, Uther appelle à la retraite. Donc déjà, Uther, la retraite à 65 ans, c'est pas encore fait pour lui. Non, non mais Uther appelle à la retraite, c'est trop mignon ça. Ça, il faut. Là, déjà en master, etc., on voit pas forcément. Moi, je dois vous l'avouer, s'il y a juste un petit ping comme ça qui part, s'il y en a un seul, des fois, je vais pas forcément le voir. Là, il y en a qu'un seul.
Il n'y en a qu'un seul, ça suffit pas. Genre là, il faut que tu mettes au moins 2 ping attention, au moins 2 ping en mode j'ai plus de mana, et un ping fontaine en mode je vais à la fontaine. Tu vois, genre ce genre de moment, c'est super important. Et tu vas pas me sortir que tu peux faire autre chose à la place. De toute façon, t'es oum, donc tu sers à rien. Et limite, tu back pour montrer que tu veux reculer. Oh Maiev, oh qui grid. Mocus Forales. Ah là, elle est morte. Et instantanément, vous voyez pourquoi la Morales, instantanément, dans le duel qui vient de s'opposer, il y a eu 3 kills pour les bleus. Et instantanément, moi ce que je peux vous dire, c'est que Morales, elle a bien mieux joué qu'Uther. Et du coup, bah pour le moment, il y a un sup. Dans ces échanges-là, le duel entre les subs va être super important. Bah il y a un des deux subs qui a mieux joué que l'autre. Et c'est mérité. Morales, elle a vraiment bien joué ce début d'Early. Parce que là, elle a même bait la Maiev. Hein. Elle est revenue et tout. Oh, coucou, coucou, Maiev grid. Elle va sous les tours, elle meurt pas. Maiev meurt. GG will play. Non, enfin pas GG will play parce que c'est pas fini. Mais l'Early se passe très très bien. My bad, bah oui. My bad. J'ai légèrement grid, hein. Mais bon, c'est bien. Au moins, elle dit my bad, c'est qu'elle s'excuse. Mais bon, ça fait toujours rire. C'est. C'est comme si en coop Vessia, quand je vais me hint sous le corps, je mettais my bad. Bah oui, non. Oui, légèrement, oui. Et le route est lâché. Dommage, il a été loupé. Alors bot lane, comment ça se passe? Déjà, Gul'dan bot. Ah oui, pardon. J'ai oublié un point très important avec le Thrall chaîne d'éclair rouge. C'est vrai que je l'ai oublié aussi celui-là. Je vous laisse aller voir le guide Thrall, bien entendu. Un perso que j'adore, Thrall, et que je joue énormément, surtout ces derniers temps. Le problème de la chaîne d'éclair rouge, c'est que ça sert à rien en solo lane. Et Thrall, son poste premier, c'est la solo lane. Et on avait oublié de parler de ça. Ce qui fait que Thrall chaîne d'éclair rouge, en plus de mettre en avant ton gameplay d'abruti, d'être très égoïste par rapport à ta compo. Et ben en plus tu vas pas faire ton rôle premier qui est la solo lane. Merci les Thrall chaîne d'éclair rouge, on vous adore. Du coup c'est Gul'dan et Maiev qui sont obligés de solo lane. C'est cool. Ouais, là faut que tu back par exemple. Là tu vois dans ce genre de phase de jeu, là tu dois back. Là Uther t'as déjà fontaine. Là dans ce genre de phase de jeu tu te balades avec un tiers mana. C'est le moment où là tu vois ça se touchait la nouille. Pendant les agressions et tout que tu veuilles pas back, je comprends. Là c'est le moment où il faut back en fait. Là t'es oum, tu sers à rien. Là tu vas te déplacer. Le Diablo, quand il va faire son move, il se dit bah Uther avec moi. T'as mis le stun. Parce que après, attention, hein, je dis pas que le move va pas être bon en soi. Ce que je veux dire, c'est que t'aurais dû back. Genre. Là déjà ici, là tu sers à rien en fait. Là déjà ici, t'aurais pu back en fait. Ici là t'aurais du back. Du coup t'aurais même pas été en retard sur le move de Diablo. Parce que là vous allez me dire oui mais s'il avait back il aurait pas été sur le move de Diablo. Mais en fait il aurait du back des années avant. Ose me dire que là t'as du dépush, que t'as de la présence. À partir du moment où t'as claqué ton Z avec Uther, t'as pas de dépush. Donc ton dépush c'est tu Z pour aider Diablo, pour soigner Diablo en tapant les sbires. Tu recules, tu back. Voilà. Et là tu reviens full mana. Parce que là tu sers à rien là. Coup, tu décales avec un tiers mana, alors que là on pourrait, vous voyez, là il avait largement le temps de repartir. Donc là tu te forces un heal sur toi pour pas prendre le. Là t'aurais du back instantanément. Déjà ça fait deux fois que t'aurais pu back. Bon, du coup Diablo va, mais je pense que même sans toi de toute façon le kill aurait été pris, même sans Uther, parce que là il y a Thrall, Diablo, Maiev. Alors ok, tu mets le stun initiateur, mais ouais, avec ou sans Uther, de toute façon là enfin, il mourrait le Butcher. Et c'est là où tu vois que t'as lancé un seul sort. T'as lancé deux sorts, un stun, un A. Donc t'as failli tuer ton équipe parce que bah, le Thrall aurait dû mourir hein, potentiellement. Si la Chromie ne part pas sur un build attardé, ne part pas sur un build nul, Thrall est mort. Pardon, Thrall est mort quand même. Du coup. Info back. Là tu sers à rien, il y a les trucs qui... Tu vois, là, alors, t'as eu le réflexe, mais c'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, mais t'as eu le réflexe, mais t'as mis trop de temps. Franchement, moi j'adore faire ça. J'aimerais vraiment, j'en parle à chaque table noire, mais parfois il faudrait pouvoir avoir un crayonné, un tracé en fait. Genre, tu actives une option et on voit le tracé préalable. Tu sais, comme une image rémanente, on voit ce que t'as fait. Parce que typiquement, depuis que Thrall est mort, t'as fait un triangle. T'as tourné ici en fait. Moi perso, quand je fais ça, c'est quand je peux rien faire avec la game me saoule. Hein. Genre là, regarde. À partir de là, regarde.
Tu remontes, tu redescends, tu remontes, tu vas par là, tu redescends, tu nous fais un triangle. Et là tu fais, ah bon bah faut que je back. T'as mis un Z ok avant, et là, faut que je back. Tu te rends compte que là, attends, on va compter. On va compter le nombre de secondes. C'est insane hein. Et ça, c'est, je mets l'accent dessus parce que c'est une erreur que je vois énormément. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors moi, par exemple, chez les streamers, ça se voit un peu plus parce que les mecs regardent le chat et du coup, ils perdent des petites secondes. Même comme ça, on perd pas autant de secondes. Donc, Tralmer à 3,09, ok. T'as mis 11 secondes. 11 secondes avant de back. 11 secondes. 11 secondes. Regarde les hôtels, c'est 17 secondes. Le temps que tu back. Le temps que tu back, tu vas arriver presque en retard sur les hôtels. 12. Ouais, on pourrait même arrondir à 12. Donc, mais bon, on va dire 11 secondes parce que bon, il peut pas back au moment où Tral meurt. La chromie va l'abandonner. Donc 11 secondes. Tu te rends compte que c'est 10, une dizaine de secondes. Je vais le faire pour. En plus, ça va étirer la vidéo, les gens vont être contents. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'était chiant, hein? C'était chiant! Et bah, c'est tout ça! Tout ce timing-là où t'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est beaucoup trop long. Surtout que c'est juste avant le timing des hôtels. Juste avant le timing des hôtels. Donc, il faut être prêt le plus vite possible à être en place. Et en l'occurrence, donc 11 secondes très très long sans rien faire. Et. En fait, avec Uther, il faut, c'est encore plus le cas avec Uther, mais avec n'importe quel support, il faut toujours, toujours, toujours que tu puisses être apte à fight, en fait. Or, bah là, tu perds un temps précieux. Le temps, c'est super précieux. Quand je vous en parle dans comment carry, etc., c'est quand vous faites des moves comme ça où vous faites rien, bah vous avez moins d'impact. Qui dit moins d'impact dit moins de poids, enfin, moins de poids sur la game, donc moins d'impact. Qui dit moins d'impact dit bah, moins de possibilités de carry, en fait. Parce que là, potentiellement, il va y avoir un fight qui va éclater, t'étais pas là, parce que t'as mis trop de temps à rien faire. Mais t'inquiète pas, hein. je fais l'accent sur toi, enfin je prends l'accent sur ce truc, mais t'inquiète pas, hein. Tous les joueurs font ça, hein. Et pas parce que pas spécial, parce que c'est un truc qui est une erreur énorme en support, mais qui marche à tous les rôles, hein, avec tous les rôles. Et tu vois là, t'arrives pile au moment où le, en fait, là on pourrait dire bon bah ça va, il arrive à temps, bah non en fait, parce que sur les 30 secondes de timing où c'est marqué attention, le tel va pop dans 30 secondes, le but c'est de pas arriver à zéro en fait sur place. Pourquoi? Parce que sur le papier, vous êtes censé prendre la position avant que l'hôtel pop. Qui dit prendre la position dit ouf, maillage ici pour pouvoir prendre le truc, potentiellement catch un mec qui s'avancerait trop, etc., etc. Et typiquement, c'est ce genre de situation où, par exemple, je vois souvent des viewers ou même Abba, enfin, ou les deux, ou Abba Hello, où les gens comprennent pas et font ah bah là, ah, ils se sont juste fait. Mais en fait, c'est ces détails-là qui changent tout dans le jeu, qui changent tout. Des fois, à une seconde près, un move génial peut se transformer en pire call. Et ce move là, ça va dépendre de la vitesse à laquelle ça fait sa rotation, à laquelle ça back, etc. Parce que là on voit pas, mais potentiellement si tout le monde avait back 10 secondes avant, on sait pas, peut-être qu'il y aurait eu un catch sur Chromie qui serait passé avant ou un truc, enfin ça peut changer complètement une situation en fait, le timing. Bon là t'es avec Tral, mais du coup c'est pas très intéressant. C'est un petit peu dommage. Je pense pas que t'aurais dû aller avec Tral là. Parce que t'as voulu aider Maya parce qu'elle a plus de PV. Tu prends le truc, ça c'est bien. Hein. N'hésite pas à ping aussi pendant que tu prends le truc en mode attention. Là tu vas vers. Tral avait pas besoin d'aide pour moi. Tral il est face à Chromie, Morales, il a pas besoin d'aide. Enfin, Maiev à la limite, mais elle a pas besoin d'aide. Alors que là, Diablo lui il a vraiment besoin d'aide. Donc là, ça c'est un problème de vision de jeu. C'est. T'étais au mauvais endroit en fait là. T'as choisi le mauvais endroit. Et c'est encore plus frustrant, tu vois, c'est con, mais c'est le genre de truc qui peut faire tilt vos alliés, ça. Faut bien penser que vos actions peuvent engendrer de la frustration chez vos alliés. Diablo, il vient d'essayer d'empêcher, alors je dis pas, hein, Diablo il est con, ils sont deux, il y a abattre, bah il va peut-être pas faire ça, il va laisser l'hôtel. Mais le truc, c'est que ça peut quand même engendrer de la frustration. Je dis pas, Diablo, c'est con ce qu'il fait. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, enfin, tu prends n'importe quelle personne qui vient de mourir, et c'est les morts les plus horribles, les plus frustrantes. C'est Arthas te chope dans son E, et tu peux plus en ressortir. Et du coup, tu cours en mode OSS 117, super lent, et le mec il te suit, il te suit, il te suit, il te tue à la fin.
Et t'as l'impression de ne pas pouvoir lui échapper, c'est horrible. Et là, tu lèves la tête, parce que les gens lèvent la tête que quand ils meurent. Ce qui est pas bien, hein. Mais là, il lève la tête et il fait quoi? Il voit. Ok, donc Trail est en train de chase, ok, pourquoi pas. Et Uther, il est en monture? Uther est en monture? Ça passe moins, tu vois. Ça passe moins, tu vois. Alors j'ai pas vu le Gul'dan, effectivement, il y a le Gul'dan qui est mort, my bad. Il était peut-être avec Diablo en fait le Gul'dan. Ah ouais, le Gul'dan était en train de tag. Ah il se fait go et il meurt. Ouais du coup le Diablo était même pas tout seul. En fait le Diablo était... Par contre, Diablo a charge. Ah il a voulu pile. Ah ouais, c'est encore plus frustrant pour Diablo du coup. Parce que Diablo a voulu pile son Gul'dan qui est mort. C'est encore plus terrible, c'est vraiment triste. Parce que Gul'dan, bon s'est pris un bus. Après, t'as voulu prendre le point. C'était peut-être plus à Maiev, je ne sais pas. Why are you there? Et tu vois, il a pas vu. Après, on est en Silver. Et même en Master, les mecs sont encore moins patients en Master. Mais du coup, il regarde. Tu vois, forcément, il vient de mourir d'une mort horrible. Il a voulu pile son allié. Bon, après, il aurait joué autre chose que ce niveau 4. Il aurait peut-être pu tenir. Ah bon, de toute façon, tu serais pas arrivé à temps. Mais. Parce que là, ça lui a servi son niveau 4. Hein. Moi j'adore hein, tous les Diablos qui jouent ce niveau 4, hein, moi je vous adore, hein. C'est génial, hein. Surtout quand je suis contre vous, hein, parce que c'est cool de prendre de l'armure, etc. Mais là le Diablo, est-ce qu'il a réussi à stun? Parce que ça ne marche pas sur le E, hein, ça marche que sur le A. Il a mis un A pour pile, ça n'a pas stun contre le mur, du coup il a pas de niveau 4. Fantastique, hein, fantastique. Parce que oui, sur le papier ça a l'air cool, hein. Ah, si tu étourdis un mec, ça confère 5 âmes, 25 points d'armure pendant 4 secondes, oh ya ya ya, ya c'est bien. Bah ouais, mais le problème c'est que ça proc quasiment jamais quand on a besoin. Et Diablo, t'as besoin en fait de sustain. Ah, elle est mort. Et là, limite, tu vois, t'es en monture à rien faire. Bon, déjà, bon, vraiment, instantanément, je peux te dire un truc, joue pas ce build. Joue auto-attaque, hein, parce que tu as trop de problèmes de mana. Et en plus, même si tu jouais vraiment bien ton Uther et que tu pensais bien à la mana, je te conseillerais quand même de jouer l'auto-1, hein, parce que de toute façon, t'as besoin de stun. Mais la mana, là, t'as des énormes problèmes sur la mana. Et là, par exemple, bah t'étais sur ta monture, on... je suis désolé, mais on aurait dit le Carbot Uther, tu sais, où il est à côté sur la monture, et il fait rien. Et là, limite, tu vois le mec qui back, toi t'es mid mana, soit tu prends fontaine. Alors tu vas me dire, oui, mais là je suis pas. Ouais, mais t'es Uther. Donc t'as besoin d'être en permanence quasiment où. Alors ça veut pas dire vous backez toutes les 2 secondes, hein, mais ça veut dire il faut être en apte à fight. Parce que là par exemple, ok, là c'est le moment où tra la back, il faut faire des trucs. D'accord, tu le dépêches. Ok, ensuite on fait quoi? On va se diriger peut-être sur la bot lane, faire un camp, faire des trucs. Ok, t'es déjà 50% mana. Tu vas lancer 2 sorts, t'es où? Après, il y a les globes hein, qui te régènent, ça c'est sûr. Donc il y a Maiev. Alors, un petit point, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle support. Un petit point qui est super intéressant, hein, messieurs les DPS et messieurs les tanks. Surtout messieurs les DPS, ça représente 60% voire 70% des joueurs. Messieurs les DPS, quand vous êtes sur un hard camp, d'accord. Quand vous êtes sur un easy camp, donc les sapeurs sur Tour du Destin ou les sbires de siège, par exemple, sur les cartes comme Valmody, Comté Dragon, tout ça, tout ça. Ce sont des putains de mercenaires qui tapent en zone, qui tapent en skill shot. Donc là on le voit, merde on le voit pas, si je me mets sur Maya on le voit ou pas? Non, bon ok. Vous avez des petits cercles rouges au sol qui indiquent l'endroit où vont les projectiles. Donc messieurs les DPS, si vous faites du hit and run et que vous esquivez ces trucs là, le support n'a pas besoin de cramer sa mana et ses CD sur un débilos qui reste dans les AOE. Merci! Pensez au support. Pensez au support, très important. T'es d'ailleurs au passage, parce que là je vois une réflexion dans le chat en mode tu n'as pas compté les spécialistes. C'était très drôle parce que sur le question-réponse, Blizzard a parlé des temps d'attente en fonction des queues et ils ont mis 3 rôles: support, tank, DPS. Et ils ont mis 60, je crois que c'était 20, 20, 60. Donc et encore je crois qu'ils ont été gentils parce qu'à mon avis c'est 15, 15 et 70. Mais du coup, voilà, spécialiste tout ça tout ça. Mais vous le savez normalement si vous suivez mes vidéos. Ok, donc là c'est le kill sur Morales, c'est plutôt bien joué.
Bon, pense à ramasser le globe si tu peux. Bon, là, tu pouvais pas forcément. Alors, je vais rester sur toi. Bon là Morales avait fait une erreur de positionnement, mais elle voulait tellement soigner Arthas. Mais c'est pas con hein, ce qu'a fait le Diablo et le Thrall hein. Ce qu'on fait le Diablo et le Thrall, c'est à dire ok Morales, enfin Arthas prend des dégâts mais de toute façon nous on va sur elle. Et Morales elle doit faire un choix, c'est, elle doit abandonner Arthas. Ça c'est très dur en support. Mais c'est cool parce que là j'en profite aussi sur Morales pour parler un peu du, vraiment du rôle de support. Et là par exemple, bah Morales elle a fait une erreur. Qui est, on pourrait se dire oui Arthas aurait dû peel, blablabla. Bien sûr on peut dire c'est la faute des autres. Là Morales elle doit se dire bah je peux pas soigner Arthas sinon je meurs, du coup je suis obligé de reculer et je vais attendre une situation où si Arthas bah il voit qu'il est pas bien, il va reculer, il va venir vers moi et là je pourrai le soigner. Du coup si vous mourrez en support comme ça, c'est de votre faute. Alors bien sûr, dans le meilleur des mondes, Arthas se dit il faut que je recule, mais ça c'est le meilleur des mondes. Ah, très bon stun là. Ça c'est un stun important parce que aussi un truc, bon après c'est la gestion des CD, j'en parlais, mais encore plus avec Uther. Parce qu'il y en a, ils se disent, ah oh, bah je joue Uther, je stun et voilà. En fait, tout l'intérêt, ça va être de stun au bon moment. Et ça, c'est un très bon stun. Parce que, par exemple, en fait, beaucoup de gens... Parce que déjà, bon, la première étape, c'est appuyer sur vos touches. Parce que des fois, je vois des joueurs, ils appuient même pas sur leurs touches. Deuxième étape, c'est appuyer sur vos touches au bon moment. Ça, c'est l'étape d'après. Et en l'occurrence, Uther, là, le stun est très bon. C'est-à-dire... Après tu vas me dire oui je l'ai mis quand je l'avais. Je pense que tu l'as mis quand tu l'avais ou quand t'avais assez de mana. Parce que tu l'avais pas avant, du coup bon, peut-être un peu de chance, un peu de réussite. Hein, tu esquives le truc, t'attends, tu mets la laisse. Non, 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 ton stun est très bon. Parce que t'aurais pu stun avant comme un idiot. Et tu as attendu que la laisse passe, tu as mis le stun, tu t'es mis en position bodyblock. Ça c'est très bien ça, ça c'est très très bien. Attention au bodyblock sous les tours potentiellement, s'il y a du monde vous êtes mort. Là on est dans une situation où il y a déjà deux morts, enfin un mort pardon. Il y a une situation de 5 V2 donc ça passe. Très bon stun, il est très stratégique ce stun, il est au meilleur des moments pour permettre au mate de suivre et d'y aller. Et ça c'est un stun très pertinent. Parce que je sais qu'il y en a ils vont se dire ouais c'est juste un stun. Bah non parce que si tu stun au bon moment il aura beaucoup plus d'intérêt. Oh là, Chromie corps à corps, enfin, c'est dommage que ça puisse pas être puni ça. Attends mais il avait CCD. Bon, bah par exemple, lui il est à la première étape ce Diablo. Il est à la première étape. Après, vous pouvez, par exemple, un joueur qui joue Diablo comme ça et qui se plaint de ses mates, il a pas le droit. Parce que là, il y a AE, il y a une Chromie qui essaye de lui faire la bise, sachant qu'ils sont pas la même taille, donc il y a des trucs chelous. Là par exemple, on est dans la situation que j'évoquais juste avant, il faut appuyer sur ses touches, c'est important. Vous pouvez pas monter si vous n'appuyez pas sur vos touches. Parce que là, voilà, une Chromie qui vient lui taper la bise à bout portant d'un Diablo, parce qu'Agrid elle veut tuer Uther, ça n'existe pas ça. Diablo il la retourne. Et il en et voilà, plafonne. Et là c'est un kill. Hein. Je peux vous garantir que si Diablo il retourne la Chromie, il la balance vers Uther, Thrall et Gul'dan, ils vont se charger d'elle. Hein. Façon Pornhub. C'est dégueulasse. Alors je vous rappelle que les gnomes ne sont pas des enfants. Les gnomes sont des adultes. C'est juste qu'ils ont un corps d'enfant. Donc bah c'est légal. Non, pas du tout. Et du coup là c'est un mort, hein. Chromie aurait dû mourir avant, avant cette prise d'objectif. Alors on va pas parler talent. Ah merci Chromie qui refait la même. Chromie qui se fait emplafonner contre le mur. Chromie qui meurt. Merci, ça aurait dû être fait avant. Mais et là vous vous dites bah ouais bon du coup le résultat est arrivé. Ouais mais il est arrivé en retard. Là Chromie aurait dû mourir juste avant. Ce qui fait que le point aurait déjà dû être récupéré. Ce qui fait que les rouges au lieu de perdre du temps à tuer une Chromie qui aurait déjà dû mourir, eh bien ils seraient potentiellement sur le camp de sapeur et mettre de la pression sur la botlane. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours le temps, très important le temps. C'est de l'optimisation. Ah, alors je comprends pas ce build. Je crois que c'est Icy Vein qui fait ça. Je sais pas combien de fois je vois des Diablo à Baello avec ce genre de build et je ne comprends toujours pas. Et dans mes propres viewers, ça me fait un peu plus mal au cœur. Qu'est-ce que vous avez à jouer Diablo avec ce build? Genre, c'est quoi, vous vous êtes dit, je vais prendre les pires talents à chaque palier et on va voir si ça marche? Arrêtez s'il vous plaît! Arrêtez, vraiment. Alors, l'élan diabolique, c'est pas mauvais, hein. je chipote un petit peu, c'est pas mauvais l'élan diabolique, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois les diablos prennent les talents, genre, à chaque palier, genre, what the fuck. Parce que il faut avoir un but avec l'élan diabolique, il faut qu'il y ait une raison derrière. Or, l'élan diabolique, je pense pas que ce soit mauvais, je pense même que c'est sous-estimé.
Mais faut pas déconner, je vois tous les Diablos jouer l'Endiabolique. Là, faut pas déconner. Et dans ce cas, je vais devoir dire que ce talent, c'est de la merde. Alors que je trouve ce talent très fort et très sous-estimé. Mais il va falloir que je commence à dire que c'est de la merde, ce talent, si tout le monde joue ça. C'est pas possible. Genre, c'est... il va falloir arrêter. Genre, c'est triste. Hein. Enfin bon, Morales qui est parti sur le bouclier de distorsion, donc l'anti-shield au 4. La dissipation de ralentissement. Là, c'est une énorme erreur hein, du côté de Morales. Elle a pris un talent qui ne sert à rien. Alors, l'anti-slow peut être très fort. Mais l'anti-slow, par exemple, si la Morales est à la place du terre, contre Arthas, oui, c'est pas mal. Et encore. Parce que le problème, c'est que. Le problème, c'est que ça affecte un anti-slow. Mais si contre les anti-slow permanents, ça sert à rien. Donc on pourrait me dire, bah, contre le souffle de foudre, bah, même contre le souffle de foudre, ça sert à rien. Donc. Alors, Chromie, full build Z, on a vu l'intérêt, très intéressant. Non, je rigole, c'est pas parce qu'elle joue un mauvais build, ça change son. Parce qu'il y a des gens ils jouent bien mais ils ont un mauvais build. Et il y en a ils jouent mal avec un bon build. C'est... Là c'est un cumul des deux. du coup Abattur qui est parti Q au 4 avec... Ok donc malgré tout la carapace en réseau pour... ouais c'est intéressant, pourquoi pas. Je serais parti mule mais bon là l'idée c'est vraiment symbiote. Et il veut symbiote au 7. Donc au moins il y a un init dans son build, c'est symbiote. Butcher qui est parti charge au 4 au 7, j'adore ses talents. Anti-sort contre Thrall, Gul'dan, Maiev, Uther, Diablo. Il y a beaucoup de dégâts magiques. Même si on pourrait se dire c'est pas des mages, bah ils ont beaucoup de dégâts magiques donc c'est bien. Arthas qui est parti, Terre gelée c'est très bien, et Robust Esgracel contre leur compo ça va être très très fort. Même si le soin au 7 est très fort aussi. Mais là, Robust Esgracel c'est très très fort, hein, parce que même sur les stuns du terre et tout c'est vraiment important. Alors Gul'dan absorption d'âme, donc sur les sbires c'est très bien, surtout du distant en plus tu peux les faire proc assez facilement sur la bot lane. Au 7, donc réduction du temps de recharge pour avoir plus de corruption, pourquoi pas, ça emmerde plus Morales, etc. L'idée était peut-être d'avoir un peu plus de burst, mais dans tous les cas t'as plus de sorts, donc c'est toujours très bien. Thrall qui est parti meute Frostwolf, alors je pense. On va voir. Parce que. Ah! Et c'est voir sa chaîne d'éclair rouge. Hein. On est à 5 minutes 21 du jeu, 3 chaînes. Hein. C'est worse pour le moment. C'est très worse. Donc la meute Frostball, j'ai peur qu'il arrive pas à la stack. Après, contre Arthas Butcher, c'est assez facile à stack. Donc pourquoi pas? On va voir. Après, ah oui, tiens, non, s'il y a un truc. Si vous jouez chaîne d'éclair rouge, vous allez être H24 parce que vous allez rechercher à mettre des chaînes et des chaînes et des chaînes d'éclair non-stop. Et du coup, la régène mana au 4 peut être très très forte parce que chaîne d'éclair rouge ça consomme. Hein. Mais bon, du coup, Frostwolf c'est bien. L'enchaînement, moi je trouve ça très fort. Rage ancestrale contre. Le problème dans l'enchaînement c'est que contre Arthas c'est très dur, mais bon, il peut taper les autres donc c'est ok. Mais l'enchaînement contre Arthas c'est très chaud. Donc la rage ancestrale c'est très fort contre Arthas. Mais dans tous les cas, l'enchaînement c'est bien. La rage ancestrale aussi. Surtout que rage ancestrale t'as un Uther solo sub donc ça peut t'aider à te soigner. Donc, it's ok. Alors, oulala. Vengeance immédiate. Donc ça c'est pas forcément ouf. Donc ça vous force à E-in. Non-stop et ça vous force à E-in de manière ultra prévisible en mode j'appuie. Après, sur le papier, l'idée est intéressante, mais le problème c'est le design du sort qui est pas bon. Je sais savoir le guide Maiev, donc c'est pas fou, surtout quand vous avez du dépush potentiel et des dégâts physiques qui sont très bien contre Butcher. La rancune tenace, moi j'adore ce talent, mais par exemple, c'est on pourrait se dire bah, il est parti sur un build E, malgré il y a une cohérence. Bah, non, parce que celui-là est complètement anti-synergique avec celui-là. Pourquoi celui-là, tu veux faire E-in. Et laisser le E revenir, ce qui augmente le dépush, le poke, etc. Donc contre Morales ça peut être très fort aussi. Le problème c'est que celui-là, au moment où tu touches, il faut absolument appuyer sur E instant pour mettre le burst. Et du coup tu ne profites pas du retour du E. Donc c'est contre-synergique. Uther, Bill Q donc avec l'Orient Sacré donc pour les dégâts. Et le 7, alors la force du Bill Q spell ça va être très fort contre des persos qui n'ont pas beaucoup de sustain, qui sont très fragiles. Genre typiquement les Tracer Genji, le Bill Q spell est très fort contre eux parce que bah, ça leur permet de les poke en permanence et ils sont obligés de reculer. S'ils reculent, ils servent à rien. Et du coup, bah ton draft est fort. Donc on voit très souvent le Bill Q spell contre des Tracer ou pour accompagner un burst à très longue distance sur un mec, ça peut être cool. Donc soit en anti-dive, soit en dive en fait. Après vous allez me dire là il est en dive, oui mais en dive plus Genji Tracer qui ont besoin d'aide à très longue distance en fait. Parce que là bon Diablo il va go et tu vas le suivre c'est tout. Purifo c'est très bien. En plus t'auto-attaques beaucoup donc tu pourras la réduire le temps de recharge. Et encore plus dommage, je l'aurais dit mais de l'auto-attaque au 1. Et Diablo bah, j'en ai déjà parlé.
Donc tu vas pouvoir tag, it's ok, on perd pas de temps, on mount. Là c'est le moment où tu dois ping, tu dois ping. Il y a un kill, vous venez de tuer Chromie, vous venez de prendre l'hôtel, c'est le moment où tu ping sapeur ennemi. Il n'y a pas vos sapeurs à faire, vous les avez déjà fait. Bien sûr il faut que quelqu'un ait récupéré l'XP, bon, Maiev, ce qui est bien avec son set c'est qu'il va pouvoir très très bien wave clear. Du coup là il faut ping le sapeur, les sapeurs ennemis. Il faut ping leur, il faut prendre leur sapeur, il n'y a plus qu'une tour déjà, donc là il y a de quoi même commencer à inquiéter le fort. Et la bot lane c'est super important sur Tour du Destin. Je le rappelle, TRQR, oui. Mais la bot lane, super importante. C'est l'endroit où il y a potentiellement deux camps de sapeurs. C'est l'endroit où il y a un hôtel, potentiellement deux hôtels qui peuvent être bloqués. Si vous avez le contrôle de la bot lane, vous avez le contrôle de la game, tout simplement. Donc c'est super important. Et je rappelle que plus vous êtes fort, plus vous tirez, plus l'ennemi est emmerdé et moins vous avez de tir. Donc vous vous améliorez, vous renforcez en réduisant l'impact des adversaires. Faut que tu suives ton Diablo là, faut que tu suives ton Diablo. Là tu dois être là, là, avec ton UTR à peu près, ici. Parce que Diablo go... Attends, je vais revenir sur ta vision, que je vois ce que tu vois. Donc tu vois que Butcher est mid. Maiev est en train de dépush, il y a le qui revient et du coup qui fait des bons petits dégâts, ça permet de dépush, tout ça. Donc là suis ton Diablo, t'as juste à suivre ton Diablo toi. Là tu restes avec Thrall et Gul'dan qui sont censés être relativement... Bon, Gul'dan il s'avance de ouf, mais Thrall il est censé être autonome. Donc tu vas avec Diablo, il y a potentiellement des kills à prendre. Bon, tu vas me dire, il est pas... Bon, voilà. Bon, là, Diablo charge Butcher n'importe comment, ok. Mais là, tu vois, il y a Morales qui arrive. Bon, t'arrives, c'est bon. En vrai, je croyais que t'arrivais plus en retard, donc j'ai rien dit. Le stun est bon, ton stun prend le kill. Je rappelle, le stun sur Morales interrompt le soin. Du coup, Morales ne peut pas se soigner et ne peut pas soigner l'allié. Parce que je rappelle que Morales, en soignant un allié, elle se soigne elle-même. Donc très bon stun aussi. Même si là, celui-là, il était facile. Vraiment... Il y a un stun qui est passé. C'est bien ça. T'aurais peut-être pu caler la purif. Je vais regarder mais... La purif faut pas hésiter à l'utiliser. Hein. Ah, ouais c'est prise, ok. Alors là par exemple tu l'utilises sur Thrall comme ça il peut rentrer au corps à corps. Mais en vrai je chipote, là je chipote de ouf. J'en ai conscience. 3 kills, là on voit pourquoi la compo rouge je la trouvais meilleure. Parce que Diablo il a engage n'importe comment le Butcher en plus et ça s'est très bien passé. Bon faut pas oublier de soak par contre il y a beaucoup de... Heureusement Maiev fait un bon taf là dessus. C'est là aussi sécuritaire tu fais un build différent. Donc je pense à auto attaque au 1 et flamme sacrée au 4. Bah t'as plus d'impact parce que tu peux plus facilement donc lancer des sorts pour dépush vu que t'as la régène de mana au 1 et au 4 t'as les flammes qui te permettent de dépush et du coup de passer à la suite. Et même en sup, hein. Après en sup ça veut pas dire JFK ma sur ma lane hein, bien entendu. Parce que ça on les connaît aussi les subs qui font ça. Oh il a réussi à valider sa quête au 4, d'accord bah nice. Dans tous les cas il aura quand même des problèmes de mana mais ça reste nice. Tant qu'il la valide c'est tout à fait au correct. Mais ce que je veux dire avec, à part là avec UTR c'est que bah par exemple là si tu peux wave clear un peu plus vite, bah tu peux te décaler vite. Donc tu peux récupérer l'XP et ensuite passer tout de suite à aider tes potes. Parce que le problème c'est les subs qui deviennent des spécialistes et... Alors l'idéal c'est de ne pas laisser votre sup s'occuper de la lane bien entendu. Mais après il y a le cas inverse où le support du coup il lâche plus sa lane en mode c'est bon. T'es trop loin là, je sais pas ce que tu fais là. T'es parti pisser contre le mur. Là tu fais un déplacement qui sert à rien. Là c'est bien, là pour le moment t'es dans l'ombre de Diablo et c'est ce que tu dois faire. Donc c'est très très bien. Très très bien. Et là, pourquoi tu vas vers le bas? Pourquoi tu vas vers le bas? Tu veux aider Gul'dan? De toute façon si tu veux aider Gul'dan tu passes par là. Tu passes pas par là, là t'es en train de faire un tour alors que t'as la vision sur tout le monde. Morales et Chromie sont là, il y en a Butcher en face et t'as Arthas Butcher en bot. Donc tu as la vision sur les 4 mecs, le seul que tu as passé à Butcher et c'est normal que tu l'aies pas. Donc pourquoi tu passes par là? Donc déjà, qu'on soit clair, hein, t'arriveras jamais à temps pour sauver Gul'dan. Hein. Gul'dan il est face à Arthas Butcher, donc déjà il leur échappera pas. Et en plus il y a Butcher, donc déjà Gul'dan est mort. Hein. Il avait juste pas à s'avancer autant comme un idiot. Donc là tu dois aider ceux qui ont besoin d'aide, à savoir Diablo. Là Diablo veut go. En vrai, là par exemple on pourrait se dire, je sais pas combien de mecs j'ai vu, que ce soit sur des forums ou soit même sur mon propre chat, qui me disent « Ah bah oui, je suis avec un abruti, il meurt comme un idiot !» Et bah, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Parce que les idiots ils sont dans les deux camps. Hein. Donc là, ok le Gul'dan il est con, il est débile, je suis d'accord. Gul'dan meurt, d'accord. Ça nécessite 3 bleus pour aller chercher le Gul'dan. Bah vous faites quoi? Diablo ce qu'il fait là, c'est vraiment bien. Alors je pense pas qu'il ait eu cette configuration là, il a juste go Morales en mode Mocus Forales.
Mais moi, typiquement, si je dois voir cette situation, je suis Diablo, je me dis, bon, ok, l'autre est en train de mourir bot, on va faire en sorte que, comme les trois sont bot, eh ben, Morales s'avance, on go sur Morales, on prend le trade kill. 4v4. On a un boulet, ok, mais on est en 4v4. Du coup, le boulet est mort. C'est limite nous qui sommes meilleurs. Il n'y a plus de boulet dans l'équipe. Donc là, au moment où Diablo retourne Morales, UTR, t'es là. T'es là et tu stun. Si tu stun là, si tu sais que ça change. Parce que je parie, je sais pas combien que Maiev s'en, que Morales s'en sort là. Si t'es ici à suivre le Diablo dans l'ombre, et là, vous voyez que ça change tout, en fait. Un positionnement va tout changer dans le fight. Pourquoi? Parce que ce qui manque à Thrall, et en plus t'as vu que Thrall et Maiev, ils ont. Des fois ils vont grid, mais tu vois qu'ils ont les yeux injectés de sang. Ils veulent du sang, les types. Hein. Lui, il a bu le sang de Manoroth. Hein. Non, ils veulent du sang. Hein. Donc, le moment où Diablo va go sur Morales, la retourner, ton stun va être super important parce que c'est celui qui va permettre à Maiev et Thrall de faire les derniers petits pas pour pouvoir choper la Morales. Et Morales, à ce moment-là, elle est morte 100%. Morales est morte 100% ici. Le truc, c'est que Diablo va faire son combo. Personne pour suivre. Du coup, Maiev, je suis pas sûr qu'elle puisse mettre la laisse. Et elle arrivera jamais, et Thrall n'arrivera jamais à temps. Et là, on va tous se moquer de Thrall, évidemment, en disant c'est un idiot ce Thrall. On va se moquer en disant qu'est-ce que c'est que cette fracture de merde? Qu'est-ce qu'il est con, etc. Moi, j'ai juste envie de te dire, tu vois, tu vois, tu vois, il veut du sang. Tu te rends compte que si tu stuns derrière Diablo, il est tellement en mode j'ai envie de lui péter la gueule à cette Morales qu'il a même fracture en follow. Et en soi, on pourrait se moquer du Thrall. Mais le try, il a follow le combo Diablo. Et si. Bon, après, la fracture n'était pas terrible. Je pense que moi, je n'aurais jamais. Enfin, si j'avais dû jouer try, je n'aurais jamais fracturé ici. Mais il avait eu confiance en Maiev qui allait mettre la laisse. Mais dans tous les cas, Thrall, là, tu vois, je te l'ai dit. Hein, je te l'ai dit et tu le vois ici. Il veut tuer de la Morales. Du coup, si tu étais derrière Diablo et que tu stun, il y avait Maiev qui arrivait. Elle mettait la laisse. Maiev ne pouvait pas lui échapper. Et Thrall, il était. Il était, on va dire, très inspiré pour aller chercher cette Morales. Donc là, tu vois, tu rates un kill, et un kill qui aurait mis un 4 contre. Attends. Non. Non, quand même pas. Oui, je me disais quand même. Mais comment il a échappé à Arthas déjà? Ah, le Fear. Ok, le Fear. Ok. Ce que je me disais, Arthas, comment il lui a échappé? Ok, le Fear. Et voilà, Morales s'en sort. Ça aurait dû être un trade kill. Ça aurait dû être un trade kill. Sachant qu'en plus, c'est con, mais prendre un kill sur Morales, potentiellement Chromie peut faire n'importe quoi. On a vu que c'était tout à fait possible. Donc ça aurait pu amener deux kills. Dommage. Dommage, dommage. Déjà vous aviez trade kill. Donc là c'est une situation de 5v4. Puisque bah, Morales va se remonter, elle va prendre Fontaine, tout ça, tout ça. Et du coup, situation de 5v4. Et c'est là où vous voyez que même si vous avez des branlos dans votre équipe, si vous prenez le trade kill. Vous êtes bien, vous êtes encore même meilleur, vous vous plaignez de votre mate, il est mort, du coup il sert plus à rien. Vous avez pris le trade kill, vous êtes censé être mieux. Le mec nul, il est mort. Et en face, il y a un mort aussi. Du 4v4, je vais gagner mon fight. Et voilà, et c'est ça l'importance des trade kills. Dommage qu'il ait pas la fracture là, parce que c'était le kill. Ah, dommage. Et la fracture n'importe comment, dommage. Et là, c'est l'enchaînement a fait mal. Hein. Alors, on va revenir sur les ultimes. Alors, attendez, je vais me mettre en place. Je me demande quelle ult vas-tu prendre. Ouais, là, le stun est pas ouf. Par exemple, ce stun, il est nul. Pourquoi? Soit tu stun avant pour permettre à ton Diablo de tag, soit tu stun pas. Parce qu'ils vont te revenir dessus et du coup, t'attends. Je note sacrifier boulet en dip. Non, non, ça, c'est, vous avez mal compris. Qu'est-ce qu'elle fait Maya? Pourquoi elle veut tag? C'est quand même dommage, hein. Imaginez une situation où Morales est morte et du coup l'équipe bleue n'a plus de support. Aïe aïe aïe, quel dommage! Par contre, on est quasiment niveau 11 et t'as toujours pas pris ton 10, hein. Ça c'est inacceptable. Unacceptable. Était voir ce caveau, vous avez vu, ça a permis au support de plus facilement soigner son mate. J'allais en parler en plus.
Et là, tu meurs, t'as toujours pas pris ton 10, ça c'est inacceptable. Mais vous voyez comment un petit truc peut tout changer? Là, Uther, il a le destin de ce move en main. Donc, on kill Morales, ça change tout. 4v4 à jouer. 4v4 à jouer. Et je parle pas de jouer la ville, hein. Quoi? Jouer les tours, je viens d'Andrelward, tout ça. Mais ça change tout en fait. 4v4, y a pas Morales pour sup. C'est dommage, hein? C'est dommage. Et le pire, c'est que je suis sûr que Thrall n'aurait pas fracture comme ça. Il a voulu fracture en mode ah, je suis trop loin, j'ai envie d'aider. C'est dommage, hein? Allez, enfin bon. Armée des morts. Et c'est là que vous voyez, un petit move peut tout changer dans un teamfight. Tout, tout, tout changer. Gibier de potence pour Butcher, donc c'est très bien. L'évolution ultime, c'est très bien. Sachant qu'il a pas claqué. Ça... Attends, si j'ai rien dit, il l'a mise. Parce que le problème, c'est que les abattures, j'ai l'impression, quand ils ont évolution ultime, dans le teamfight, des fois, là par exemple, avec son build, mais il a pas forcément besoin d'évolution ultime tout de suite en fait. Et du coup, bah, par exemple, en teamfight, il a plutôt intérêt à rester sur Butcher et Arthas. Donc l'évolution ultime, faut plus la caler. Soit il fait un double Morales par exemple pour soigner le frontliner qui a vraiment besoin d'aide ou même soigner Morales. Soit il l'utilise en mode on peut pas détaquer tout de suite, je vais gaspiller mon clone en mode je vais taper, je vais taper, je vais taper. Et de toute façon, quand le teamfight va commencer, moi je serai sur Butcher et Arthas. Donc il est en 1000 symbiote, donc quand t'es pas en symbiote, limite ton build n'est pas forcément ouf. Mais c'est pas forcément contre-mécanique, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir penser à utiliser autrement ton évolution ultime. Là il l'utilise en fight comme si c'était normal alors que bah. Il a plus de synergie à être sur Butcher. Mais bon, ça reste ok. La loupe de Chromis, dommage juste de ne pas l'utiliser. Morales qui a toujours pas pris son 10. Ah, 1v1 pour 1, enfin 1 partout entre les deux supports. Toujours pas d'ult. Le problème, c'est que l'ultime de Morales, il est pas très important ici. L'ultime d'Uther est beaucoup plus important dans cette teamfight. Alors, Morales, j'ai hâte de voir son ult d'ailleurs. Medivac pour la macro et surtout votre propre protection. Je rappelle, c'est une deuxième barre de PV. Ou le stimulant. Alors à ce moment-là, le mieux à qui? Parce que dans votre tête, je suis sûr, c'est Butcher, 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 oui, Butcher, 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 Butcher. Ouais, le problème c'est que Butcher, quand il prend full stun, c'est pas très intéressant. Du coup, faut pas oublier que le Steam, c'est aussi la move speed. Du coup, sur Butcher, c'est fort. Mais limite, le Steam sur Arthas, ça peut ne pas être dégueu aussi. Hein. En mode, Arthas, vas-y, go, va dans le fight! Et Arthas, il tape un sprint façon Carl Lewis, et il ralentit tout le monde, et il les tue tous. Il tape très vite. Donc ça peut marcher aussi. Alors le fear, la fracture, le caveau, pour moi ici c'est de la merde. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la condition de victoire des bleus? C'est quoi? Concrètement c'est quoi? C'est on go un gars, on le tue et GG. Donc tout tourne autour du butcher. Si une compo tourne tout autour du butcher, tu disques. Et le disque, il faut savoir que contre un butcher, c'est un autre atout que peu de personnes ne connaissent. C'est tout simplement le fait que ça nique le symbiote. C'est-à-dire que le disque va annuler le symbiote d'abattu. Il va sortir du symbiote et il va devoir attendre et revenir après. Donc ça nique son symbiote aussi. Ça, c'est un petit point. Mais le disque, très important pour pouvoir soit isoler Butcher et on le détruit, soit on isole Arthas et Butcher ne sert à rien et du coup on tue Arthas. Du coup, le disque, et là vous avez vu le chaos, il a même aidé la Morales à se placer pour aller soigner. Donc le caveau ici, ça n'a pas d'intérêt quand globalement il va avoir deux corps à corps. Donc. Bah, de corps à corps, tu mets un disque sur Arthas, très facile. Disque Arthas, c'est très facile. Dispatcher aussi, très facile. Les deux vont rentrer dedans, tu disques le premier et tu chopes l'autre, en fait, tout simplement. Faut pas niquer le move de ses potes, hein. Si le focus est sur Butcher, ne mettez pas le disque sur Butcher, bien entendu. Donc, Apocalypse pour Diablo, c'est très bien. Et maintenant, on va voir le niveau. Tiens, d'ailleurs, son build aurait été très intéressant ici, hein. Mais du coup, le 10 du Terre. Je vous laisse aller voir le guide Diablo, bien entendu. De toute façon, vous partez du principe qu'il faut quand même aller regarder les guides, c'est quand même cool. Uther, donc là, potentiellement, les deux ultimes sont très forts parce que le Divine Shield sur le mec qui prend le focus de Uther et d'Arthas et de Butcher, pourquoi pas. Si jamais il y a un loop chromie, ça peut sauver aussi, donc pourquoi pas. Mais Divine Storm contre Butcher, c'est très très fort aussi. Faut bien tamper, tempo, enfin, mettre, pardon, timer les rotations de CC, hein, bien entendu, pour faire un stun, un Divine Storm, un Restun, etc. Mais contre Butcher, bah, vous pouvez annuler le Butcher. Hein. Ça peut être pas mal. Mais je pense que les deux ici sont très bien. Le disque sur Morales. Ouais, mais après c'est plus dur. Le disque sur Morales c'est beaucoup plus dur. Hein. Mais oui, je suis d'accord. Mais. Et voyez, par exemple, ça. Ça, c'est une réflexion qu'on voit très souvent à Baello. Don't focus Arthas, please. Donc là, ça veut dire focus Morales. Et c'est un truc con ça. Alors, je suis pas en mode à Baello, il faut focus les tanks en permanence. C'est pas ce que je dis. Le problème en fait, c'est que pour moi, ça c'est un manque de connaissance de jeu. Parce que très souvent, c'est soit les mecs qui disent arrêtez de taper les tanks, soit c'est ils tapent que les tanks.
Or, ça marche pas comme ça le jeu. Et si vous regardez des games à niveau pro, à niveau compétitif, c'est très souvent les tanks en prennent plein la gueule. Parce que c'est les tanks qui. C'est le plus simple de taper un tank en fait. Et là, par exemple, typiquement Arthas, moi j'aimerais pas jouer Arthas dans cette game. Hein, parce que Arthas, concrètement, le Butcher, il peut pas rentrer dans les teamfights comme il veut parce qu'il doit attendre une opportunité. Donc s'il rentre comme il veut, bah, il est mort, normalement, si les rouges jouent bien. Donc ça veut dire que Arthas doit créer des opportunités pour que Butcher puisse y aller. Donc ça veut dire qu'il va être isolé en front lane. Il a une Morales qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ne peut pas forcément s'avancer sinon elle meurt. Il y a une Chromie, c'est vas-y, vas-y, je te regarde derrière, je lance du sable. Et un Abattur qui est tellement proche de lui. Bon, après, Abattur, ça va être son meilleur soutien ici. Hein. Il va pouvoir se mettre en symbiote dessus. Du coup, Arthas, normalement, il se sent très, 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 très seul hein, dans cette game. Heureusement, il y a Abattur pour l'aider. Du coup, focus Arthas, c'est honnêtement l'une des priorités à faire, je pense, dans la game. Alors, si on peut, l'idée, c'est quoi? C'est si on peut focus Morales et Chromie. Bien entendu, on focus Chromie, Morales et Butcher. Mais en fait, dans je sais pas combien de situations, ce sera Arthas qui sera en position délicate et du coup si on le tue, bah GG en fait, tout simplement. Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut s'adapter à la situation. Ça veut pas dire tout le temps focus Morales, c'est pas dire tout le temps focus Arthas. Ça veut dire est-ce que là je peux focus la backlane? Oui, bah focus là. Est-ce que je peux focus là, j'ai pas le choix, bah je focus la frontline, tout simplement. Et le mec il repose. Ouh, double route. Dommage qu'il fracture pas là. Oh, il a raté son vir. C'était ridicule ça. Il a raté son vir. Et la Chromie du coup elle a cancel son bye bye. J'ai jamais vu ça. Attends mais j'ai jamais vu ça. Cancel son back toute seule. Bon alors déjà le Gul'dan. Bon après il a voulu essayer de... je pense qu'il a voulu essayer de fear Morales tout en mettant le fear sur Chromie. C'était bien pensé mais raté. Là ce que tu fais c'est tu fear la Chromie comme ça bye bye pas quitte à le faire. Tu mets plutôt le fear ici. De toute façon si Chromie part par là Morales ça va la mettre hors de pause. Donc limite tu prends 2 kills au lieu d'un seul. Et tu fear le budge. Bon, là ici vaut mieux fear ces deux-là plutôt que ces deux-là en fait. Parce que là, tu fais ces deux-là, c'est sûr de le faciliter. Et tu prends le kill sur Chromie. Morales, ça va être obligé de s'avancer si elle veut le sauver. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, le fear est raté. Chromie arrête son bye-bye. J'ai pas compris. Genre, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi Thrall fracture pas. Genre. Vous pouvez prendre deux kills là, fracture, avec sa fracture. Bon, c'est pas grave, vous prenez un kill, c'est bien. Arthas vient de faire les sapeurs. Bon, après, ça sauve pas fou. Hein. Ah. Bon, bah Momo vient de faire de la merde. La Momo elle a fait Rendez-moi Chromie! Rendez-moi ma petite dominette! Non, tu ne peux pas. Ça c'est bien puni par Diablo. Là par exemple, ton stun il arrive trop tard. C'est trop tard ou trop tôt? C'est à toi de voir. C'est toute une question de point de vue. Et j'ai même envie de dire un truc qui va encore plus loin. Mais bon, après on va arrêter dans les détails. Mais. J'ai même encore envie de dire un truc qui est encore plus important. Toujours le comportement de jeu. Là, dans 90%, voire 95% des cas, la direction dans laquelle se tourne un personnage en dit très 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 long sur ses intentions de jeu et sur son comportement de jeu. Là, je sais très bien ce que t'es en train de faire. T'es en mode je veux soigner lui. Ok. Ça veut dire que t'as même pas vu que Diablo il est en train de punir Morales. Ça, c'est pas normal. Parce que là, tu dois être ici à vouloir attendre au tournant le go de Diablo. Et une fois que t'as fait ça, tu peux soigner Mehdi et tu peux soigner Maiev en mettant le stun, hein, y a pas de problème. Parce que là, le truc, c'est que ça se voit. Tu vas t'avancer, tu veux soigner Maiev, tu soignes Maiev et il y a toujours pas de réception sur le stun. Donc, soit tu stun instant, ce qui aurait été très bien, soit tu ne stun pas et tu stun le mec d'après. Parce que là, concrètement, avec ou sans stun, il y a le route qui est passé sur Thrall, donc de toute façon, ton stun sert à rien. Là, le route est passé de la part de Thrall, donc. Bah, elle est morte en fait. Du coup, tu stun un mec qui est mort de toute façon. Donc ton stun n'est pas intéressant. Et là, tu vas me dire, oui, mais de toute façon, j'aurais pas pu stun les deux autres. Oui, mais Thrall, lui, il aurait pu route. Donc tu stun instant, Morales est morte. Thrall, il route quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée dans l'optimisation. Ouais. Et vu l'utilisation que fait Maiev, vraiment le 4 était nul. Hein. Autant dépush. Surtout qu'elle a un gros travail de dépush, c'est pas mal hein, ce qu'elle fait. T'es en retard sur les go de ton Diablo. Parce que le go est bien, là le stun est très bien. Oh la fracture est loupée à cause de la laisse de Maiev. C'est terrible.
caveau servira pas à grand chose là. Parce que de toute façon Arthas était mort. Oh, il va même s'en sortir. Oh là là là, c'est terrible. Ouais, ton Divine Shield, là on sent que t'as Divine Shield parce qu'il fallait Divine Shield. Hein. T'aurais pu Purif aussi. Hein. Là, typiquement, par exemple, il fallait Divine. C'est pas con de vouloir Divine. Ah, c'est vraiment dommage qu'il a fracture. Bon, là c'est une incompréhension, ça peut arriver. Mais c'est vraiment dommage, la fracture il faut la mettre avant ou après en fait. C'est le pire timing. Mais là par exemple, ce que t'aurais pu faire. Ouais, tu t'es fait silence avant. Ouais, tu t'es fait silence avant. En vrai, il aurait fallu. Alors je rappelle, le silence passe sur le mec le plus proche du milieu. Comme un boss, vous savez, au niveau de l'aggro. Du coup, là tu fais un petit coup de pute et tu t'avances pour que Diablo le prenne. Diablo vient de claquer son AE, donc de toute façon il sert à rien. Donc tu le laisses prendre le truc. Et là, toi, tu Divine Shield le Thrall pour qu'il aille chercher le kill sur Butcher. Ça aurait été un gros CD, mais au moins il tue. Il y a un stun qui a pas été mis. Tu te rends compte que le stun là c'est 175 de dégâts. Rien que le stun c'était. Bon, c'était pas assez, mais c'est ce qui allait tuer Arthas. Quand... Faut rappeler quand je vous dis que très souvent quand un mec s'en sort, c'est qu'il y a un truc qui a pas été fait. Alors oui, il est lucker, blablabla, bah non. Là en l'occurrence, bah Arthas. Tu l'as pas stun, du coup c'est... tu pouvais le tuer. Bon, le Divine Shield sur Gul'dan sert à rien là. Maïev, elle a... la chromique, elle loupe, et du coup elle a tellement voulu rentabiliser son loop qu'elle a quand même... Elle s'est arrêtée pour préparer un sort, hein. Et c'est ça que Diablo... C'est ça que... qui a permis à Diablo de tuer. Ah putain. Ah dommage, il manquait pas grand chose. Ah, elle vient de ruine. Hein. Oh, le Thrall qui grid. Et là, tu vois, plutôt que de divine un Gul'dan bot qui sert à rien, là le divine aurait pu être cool. Même s'il grid, tu le divine, bah il s'en sort. Oh, ils sont une tête de ouf les deux là. On l'a dit, ils veulent du sang. Hein. Ouais, le stun est bien. Oublie pas la purif, hein. Ouais, il aurait fallu mettre purif avant. En plus, la purif sur un butcher c'est très facile à utiliser. Mais là, on voit que tu n'arrives pas à faire deux trucs en fait. C'est-à-dire que là, ton Uther, t'as d'abord stun et ensuite tu as mis la purif. Là, il faut pré-purif le Gul'dan. Pourquoi? En fait, c'est très facile. C'est comme une prison de Xul ou un loop de Chromie. Ça s'anticipe de ouf à l'avance, en fait. C'est le Butcher, tu vois la marque et tu le vois go. Du coup, tu mets la purif. Au moment où le Butcher va stun, ça pré-purif. On appelle ça une pré-purif. Ça met juste un petit peu avant le stun. Et le Gul'dan, il peut continuer à courir. Et là, tu stun le Butcher. Et Gul'dan aurait tué Butcher, je pense. Bon, il va s'en sortir. Gul'dan, c'est le plus important. Mais de toute façon, l'autre... Mais bon, it's ok, dans l'ensemble ça va, il faut back là. Là ça sert à rien de fontaine, t'aurais du back. La fontaine c'est quand tu peux être apte à fight. Là je pense que t'aurais du back. Parce que t'auras de toute façon, voilà, même avec la fontaine tu seras min mana. Donc la fontaine vaut mieux l'utiliser qu'Uther quand t'es à 50% mana, pas à 0 mana en fait. À 0 mana vaut mieux back. J'ai jamais fait gaffe, mais la musique de Doom me rappelle Warcraft 2, les musiques humaines de War 2. Putain, j'ai pas vu. Oh, mais c'est un Butcher à battre, ils ont fait le boss super vite. Après, en termes de répartition de jeu, là, c'est inexistant. Hein. Inexistant. Genre, y en a, et Diablo dit yeah, it's not lol. Bah ouais, bah mec, t'es mid. Hein, genre, et avec un autre set, t'aurais eu plus de dépêche. Mais du coup, ça 4 mid, Thrall va mid, genre. Du coup, en occupation, bon, c'est pas ouf. Mais bon, après, de toute façon, même s'ils ont une occupation de merde, ils peuvent être devant. Le Abba a pas vraiment d'impact, je suis sûr qu'en soaking, il est dégueulasse. Voilà. Il a moins qu'Arthas en soaking, donc le Abatture, là, à part AFK sur Butcher, il sert pas à grand chose. Donc au final, on peut même pas parler de macro du côté des bleus. Vous avez vu le E, il a one shot les sbires d'ici. J'adore. Troll, même pas peur. Oh. Oh le bon. Hein. Oh le coquin. Oh le saligo.
Alors les talents, on a la réduction, donc le rayon réducteur de Morales. Ouais, c'est pas mal ça, logo sur Chromie. Ah dommage, il a pas E. Il a E, elle est morte. Voilà, le stun qui sécurise le kill, ça c'est un bon stun. Et t'es en retard encore, hein. Et t'as de la chance, hein, d'avoir une compo qui a tellement de contrôle que même si t'es en retard, ça passe. Et tu te rappelles le coup de la fontaine? Bah là, t'es home. Déjà là, t'avais limite le... Avant, t'aurais dû limite mount et tu serais arrivé plus vite. Parce que là, heureusement, il y a Apocalypse, il y a E, il y a machin. Et du coup, t'arrives très 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 tard. Hein. Du coup, le Arta, c'est pas bien. Ah, faut Divine. Ouais, Divine est bien. Très bon Divine. Fear, il faut tuer Arta si possible. T'as plus de mana. T'as plus de mana. Du coup, tu purifies, mais... Bon, entre kill. Vous vous rappelez ce que je disais de la gestion de mana? Bon, on va passer, hein, mais... T'aurais back. T'avais du mana au lieu de fontaine. T'avais du mana et là tu sauvais Thrall. Il a fait deux Kobe Morales, le cochon. Toujours plus de plaisir. Diablo. Tranquille. Bien joué, bon stun. Bon stun avec Uther. Ok, donc Maiev a pris bot. C'est bien, ça va. Non mais vous êtes pas obligé de tout jouer. Là par exemple, ce ping sert à rien. Là ce ping sert à rien. Là c'est le moment où tu vas mourir tout seul comme un con. Vous avez pris deux hôtels déjà, c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes pas obligé de le jouer cet hôtel. Encore t'as de la chance, hein, parce que là tu te rends pas compte. Hein. Je crois que tu te rends pas compte dans le traquenard dans lequel tu es. Hein. Parce que tu te dis c'est bon, y'a Diablo, y'a machin. Mec, c'est Arthas Abba. Hein. Arthas Abba, c'est le plus grand cauchemar de l'existence de l'humanité. Hein. Genre. Et là, le Arthas, ça se voit qu'il connaît pas le jeu. Hein. Moi, je suis Arthas. J'ai Abattur sur le coin de la gueule. Mais je vais te chercher. Hein. T'es mort. Hein. Et ils ont beau être 3, même sans Chromie. Hein. Là, il vaut 1v3. Hein. Littéralement. Bon, pas 1v3 parce qu'il y a Abba. Mais après, je suis sûr que cet Abba aurait clone pendant le fight au lieu de rester sur Arthas. Mais là, mais il vous défonce la gueule, en fait. Hein. Genre, toi, t'es Oum. Lui, il est Oum. Donc, et lui, il est bientôt Oum. Donc il a juste à vous placarder, enfin il va vous attraper, il va tous vous tuer, hein. Genre c'est le grand méchant loup là, Arthas. Hein. Bon, Diablo fait le con. Et là faut reculer, hein. Faut reculer de toute façon. Et en vrai même avec du mana je l'aurais fait quand même. Là il ping parce qu'il est con. Donc là ça sert à rien, là tu peux mute ses pings, hein. Ça sert à rien. Il a go in comme un idiot et maintenant il reproche les autres. Mais d'un autre côté, moi j'ai envie de te rappeler que si t'avais pas été Oum, Thrall aurait été vivant à la fin de ce fight. Et du coup là vous auriez pu potentiellement jouer l'hôtel parce qu'il n'y avait plus que Arthas et Chromie. Ce qui est bien c'est que Diablo vient de mourir, il revient avec les âmes et il se resuicide. Oh la vache. Donc là dans ces moments là, dans ces moments-là, n'hésitez pas à mute. Je dis pas forcément report parce que c'est juste quelqu'un de sanguin, j'ai l'impression. Mais vous le mutez. Mettez un petit chill. Et stop fight solo. et tu le mutes. Parce que là, le Diablo, il go in deux fois, il se suicide deux fois. Et c'est la faute de Maiev qui était pas là. Maiev, depuis tout à l'heure, elle est en train de wave clear et tout. Mais faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Faut rester tranquille. Tu lui mets chill. Stop engage solo. Et tu le mutes. Et c'est bon. Purif. Ok, très bien. Là, on a senti que tu stressais. Après, juste le truc que je pourrais dire sur Maiev. Qu'est-ce qu'elle a fait, Maiev? Parce que, malgré tout, je pense que Maiev a quand même des choses à se faire pardonner. C'est-à-dire, elle a clear bot, elle fait quoi? Elle va aider l'équipe, finalement Diablo suicide, du coup elle fait le camp. Et là plutôt que de faire le camp de sa peur, bah, en vrai elle aurait pu prendre le fort tout simplement en fait, directement toute seule. Elle a la vision sur tout le monde, plutôt que de faire le camp de sa peur, bah là elle dépush la bot lane et elle prend le fort. Surtout que le fort top va tomber, Diablo est en train de se suicider, du coup... Bah ils peuvent égaliser, encore une fois là c'est un trade fort. Le fort top va tomber, bah le fort bot je le prends. Alors là elle va faire le sapeur, et je suis sûr elle va même pas finir le sapeur. Bon elle prend, inutile de dire que le hit and run
Elle est... Vous êtes censé ne pas prendre un tick de PV. Hein. Vous êtes même pas censé prendre de dégâts sur ce truc. Elle prend 75% PV. Hein. Bon, elle l'a fait quand même, le camp de sapeur. Du coup, elle a perdu 80% PV, ce qui va la forcer à back ou à fontaine. Donc, elle va... Là, elle aurait du back instant. Elle va y aller à la mano. Genre... une énorme perte de temps, et elle revient pour se faire loop, ça sert à rien. Vous voyez, tout le temps qu'elle a perdu à traverser la map, elle avait juste à back, revenir full PV, full mana, elle aurait pu fight. De toute façon, ils étaient 16 contre 15, le fort vient d'être récupéré, t'as rien à faire là, de toute façon. Donc dommage. Et même, elle a fait son camp de Saint-Père. Moi je dis, ok, parce qu'on pourrait me dire, Malga, bon, le camp de Saint-Père c'était pas mauvais. Oui, moi ce que j'aurais fait, si tu veux vraiment optimiser, tu prends le fort à la main, et ensuite tu vas faire le camp de Saint-Père. Mais à la limite, elle veut faire le camp de Saint-Père. Bah, Diablo est mort top, Thrall est mort top. Bah elle utilise le camp de sapeur, elle reprend le fort bat en fait. Simplement. Tam. Please win. Please. Sami. We need to win, Sami. Alors les talents 16, double Frostwound. Ah, le Arthas il a dit c'est bon, bat les couilles maintenant, j'ai pris suffisamment de talents défensifs, il pue la merde en face, je prends double Frostwound. Non, c'est comme ça qu'il a dû réfléchir. Dégâts OE c'est très très bien, là il est free avec Abba, il a juste à rentrer, danser la Rumbada au milieu de tous et le E va faire trop mal. Frostwound c'est double Frostwound donc pourquoi pas, hein, il est tellement bien donc pourquoi pas. Frénésie Sanglante c'est très bien avec Butcher, le Q c'est très bien, double Z, ah là là. En vrai il aurait dû partir Carapace au 16 je pense, pour mettre la Move Speed sur Arthas. Histoire qu'il puisse taper un sprint de ouf. Mais celui-là, c'est trop fort. Sable change. Parce qu'en vrai, bah, une fois qu'ils sont slow, de toute façon, une fois qu'ils sont dans la prise d'Arthas et de Butcher, ils bougent plus. Donc, de toute façon, je pense qu'il aurait fallu la Move Speed pour pouvoir aider à Go. Le Bye Bye, c'est de la merde. Le Q, c'est bien. Morales qui est parti porter sur le soin, c'est très bien. Pierre de soin sur Gul'dan, ça va être fort contre leur compo, parce que bon, bah, des fois il va se faire go, donc autant utiliser la pierre de soin pour soigner. Ça, c'est de la merde, s'il vous plaît arrêtez de jouer ça, c'est nul. Soit vous avez besoin d'anti-burst, ce qui est possible, hein, contre Butcher Chromie, bah, vous prenez le bouclier anti-sort. Soit vous avez besoin de sustain, et d'avoir plus souvent les résilience Frostwolf, du coup vous appuyez sur D, et ça fait proc l'enchaînement, merci d'aller voir le guide Thrall. Ce talent, c'est de la merde. Niveau 13, l'armure ombreuse, c'est le pire talent de Thrall. C'est tout simplement, c'est le pire talent de Thrall. Thrall a que des bons talents, sauf celui-là qui pue la merde. L'armure ombreuse, donc l'armure c'est très bien. Le Q, je me rappelle même plus ce que ça fait ce truc là pendant 5 secondes. Bon, c'est vrai que toi tu attaques beaucoup, mais ce qui est un peu dommage, c'est de pas prendre le slow et des buffs sur Butcher. Le E, c'est quand même fort contre contre Arthas et Butcher. Parce que tu mets un slow en plus pour pouvoir go sur les teamfights. Et en plus, tu réduis leurs dégâts de 25%. C'est quand même fort contre Butcher et Arthas et tout ça. Dommage. Bonjour les enfants. Alors avant de flame ses alliés, il faudrait au minimum savoir comment build Diablo, hein. Ce serait intéressant. Oh là là, Diablo. Oh là là. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors non les enfants, il faut pas build Diablo comme ça, hein. Vous avez pas compris le personnage. Oh là là. Oh là là. Et le pire en plus, c'est qu'on pourrait se dire, bah, l'opportuniste, il a augmenté les... Enfin, même en essayant de lui trouver des excuses, je peux pas. Parce qu'il aurait malveillance au sel, je dirais, bon bah il veut taper plus fort avec la malveillance. Mais même pas, ça a pas de sens, c'est débile. Ah ouais, après vous allez me dire, si, parce que s'il fait ça, bah il tape plus vite ça, du coup il réduit ses... Incroyable. Oui, au passage, oui, l'enragé sur Butcher est fort au 16. Oh non. Oh. Oui, au passage, l'enragé sur Butcher est fort, mais... On s'en fout, genre le 16 de Butcher est très bien, l'enragé est très bien sur Butcher, dans tous les cas c'est deux très bons talents. Moi personnellement en plus je préfère la vitesse d'attaque parce que l'enragé bah parfois c'est trop tard en fait pour que ça proc. Mais c'est fort hein, mais
C'est tout à fait la vitesse d'attaque au 16, moi je trouve ça très très fort ce match. Ça te permet de prendre un kill beaucoup plus vite. Ok, que fais-tu avec ton UTR? Donc là déjà tu peux back. Ouh ma gueule, mécanique. Il veut du sang. Il aurait route avant, elle aurait pas pu sauter. Il avait la fracture aussi. S'il veut vraiment la go, quoi. Moi je dis ça. Tu vois, ça sert à rien, autant taper le fort. Surtout qu'il a l'enchaînement, autant taper le fort. Donc là, il voulait prendre le fort. Diablo lui tunnel vision comme un abruti. Il va mourir comme un abruti. Très bon route d'Arthas à ce passage. Nice. Et là vous allez me dire, mais c'est un animal le Diablo, comment je peux win avec ce truc? Bah ouais, mais tous les moves genre mid, bot et tout, si c'était bien passé, le Diablo il a beau être nul, quand vous êtes devant vous allez gagner. Et puis il est facile à anticiper ce Diablo, il face, c'est comme un joueur d'Hearthstone, il face non-stop. Du coup c'est facile, il rentre dedans, très facile à anticiper. Et vous avez pris le kill sur Arthas, hein. Purif, elle est très bonne cette Purif. La forculée. En plus c'est bien parce que ta Purif t'avais pas forcément besoin de Divine. Là ça sert à rien, là ce que tu fais ça sert à rien. T'es en train de gaspiller du mana sur un clone. Le clone comment tu le gères? Bah tu recules et t'attends. Ah vous êtes en train de gaspiller de la mana dessus. Par contre lui il est mort, hein. Lui, bon après là faut le mute, hein. Et faut vraiment le mute lui, hein, parce que dommage il a pas optimisé ses dégâts. Fracture, bah... ah il l'avait déjà mis. Attends, t'as back là? Ah, t'avais fontaine avant. Non. Non. Ouais bon t'es pas à temps. Du coup t'as mis une fontaine, t'arrives trop tard. Dommage. Bon c'est pas grave. Mais du coup la gestion de mana. T'aurais dû back avant je pense, de toute façon. Mais bon, à la limite ça va. Tu vois t'as gaspillé ta mana. Le problème c'est que t'as gaspillé ta mana sur le clone. T'en fous du clone. Tu recules. En plus toute ton équipe avait voulu reculer. T'as face le truc, du coup ils sont restés. Et au final, même si le Diablo fait nimp, vous voyez que le Arthas il s'est suicidé, hein, donc 1-1. C'est dommage, il y avait moyen de prendre le kill sur Chromie, je pense. Ah ouais, t'as back au pire moment. C'est dommage, il aurait fallu le... Bon après, vous pouvez pas t'en... Sans pas les couilles le Thrall, hein. Du coup il va mourir, là faut qu'il meure. En plus il a mal optimisé, là par exemple Thrall tout seul aurait pu tuer Morales mais il a pas optimisé ses sorts. Du coup il a pas profité de l'enchaînement alors qu'il faisait ses sorts bien propres. Genre route auto-attaque, auto-attaque, chaîne d'éclair auto-attaque, elle était morte Morales. Très bon stun, tu le sauves. Je crois qu'elle devait pas avoir le dé, on a dit. Ah elle est morte. Bon après là je suis sûr du détail, on s'en fout, mais ça m'intéresse, c'est ma curiosité. Non, il le sait pas. Vous pouvez aider le loop hein, de Chromie avec Maiev. Oh, c'est triste. Bah allez, n'hésitez pas à aller regarder des guides. Des games, des trucs. C'est dommage du coup. C'est dommage. Elle aurait jamais dû mourir là-dessus. Par contre, toi, t'as un divine, hein, donc... Donc là, c'est bien, tu l'as soigné. T'as pas divine tout de suite. Bon, on va dire que t'as eu de la confiance. Après, t'es trop loin pour divine. Tu veux le mettre je pense mais... Non tu pouvais, oh, à mon avis tu peux là hein, je pense. La range est vachement grande du Divine. Peut-être qu'il y a un tout petit peu hors range. Allez on va dire que t'es un tout petit peu hors range. Pas grand chose. Ah et ce Divine nu et sert à rien. Ce Divine ne sert à rien. Le problème c'est que tes Divine Shield pour le moment ils ont servi à rien quoi. Il y a eu un seul Divine intéressant je crois sur tes 3. Ouais tu peux back hein.
J'ai l'impression que le Thrall, à chaque fois qu'il parle, il dit « Merde, lui, il m'énerve !» Le Butcher, t'as compris. Après, c'était quelle brutalité. Ah, il l'avait mis, hein. Fuck, j'ai scrammé. Ah, il l'a. Mais il l'a matraqué. Hein. Il a dit, lui. Et là, t'aurais Divine. T'imagines, là, t'aurais le Divine, là. Tu Divine Thrall, là. GG, well play. Bon, tu l'as purif, elle est bonne, la purif, mais c'est Diablo qui va mourir, du coup. Ouais. T'es mort, là. Ah bah là c'est perdu hein. Là c'est trop tard. Après le Diablo très autocritique, non je rigole hein, il parle des autres, mais putain, il fait n'importe quoi, son build n'a aucun sens et le mec parle toujours hein, les mecs complètement débilos qui parlent. Dommage, Mayav aurait pu solo carry cette game en jouant un peu macro on va dire. Mais c'est dur, on est en silver, tout ça. Après toi t'aurais pu solo win l'early, mid, ce qui fait que t'aurais pas été dépendant de ce Diablo et crois-moi t'as pas envie d'être dépendant de ce Diablo. Oh là là, là, là. Les mecs terribles. Oh, c'est plus de dégâts que Mayev. Ouais t'es mort un peu plus de fois que Mayev aussi. Putain, mort 7 fois le Diablo. Quand vous mourrez au-dessus de 5 fois, et si votre équipe. Ah, si l'équipe a autant de morts que vous, bon là ça peut justifier. Si vous êtes à plus de 7 morts et que l'un de vos potes a moins de 5 morts, généralement on ferme sa gueule hein, dans ce genre de cas. Oh là là, le fear est nul. Alors qu'il avait juste à fear Butcher et Butcher meurt. Quoi, bah tu on n'est pas sur le Butcher, dommage. Oh le joli route. Non, c'est pas fini, incroyable. C'est incroyable au moment où je pense qu'ils ont perdu. Au moment où je me dis c'est terminé. Prennent un double kill. Donc là c'est camp de sapeur hein. Là c'est sapeur ennemi, on va récupérer ce... Non, on va récupérer ce farbot et on envoie les sapeurs. Le putain de camp de sapeur, il doit être fait, merde. Vous touchez les couilles. Vous vous branlez les couilles, comme dirait un grand philosophe. C'était Émile Zola qui avait écrit vous vous branlez les couilles. Les putains de couilles. Elle est morte hein. Oh là, dommage. Il avait la fracture, il aurait dû fracturer. Alors les niveaux 20, niveau 16, affliction funeste c'est très bien, cercle démoniaque pourquoi pas face à leur compo, puis je mets pas des fear insane, loup alpha c'est très bien. En plus le seul intérêt de la fracture au 20 c'est de se... C'est au moins il y a les 20 secondes de CD en moins, donc ça fait 50 secondes sur la fracture. Donc là, bah, il fracture, il la tue. Là, il fracture Chromie, il la tue. Et ça change tout. Hein. Quitte à jouer ça, autant l'avoir souvent. Quoi. Le flash, voyant misère. Ah, complètement. Mais en plus, là, il a flash income, un sale, et il la tue. Mais dans tous les cas, s'il prend fracture au 20, autant l'utiliser. Quoi. Et réduire le temps de recharge. Parce que là, il a fracture. En vrai, c'est con, hein. Mais cette fracture, même s'il a pas la fracture améliorée, tu fractures, tu tues Chromie, tu as un 4v5 pour les bleus à jouer. Là, ils ont deux hôtels avec 5 tirs, puisqu'ils ont la bot lane. Ils peuvent gagner là-dessus en fait. Je disais que c'était fini, mais même pas, ils pouvaient gagner là-dessus en fait. Where are you, Uther? Par contre, moi ça me fait tilt. Hein. Je... Là, faut que... Aïe 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 aïe. Bon, après, t'étais en train de prendre le fort. Bon, allez. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Oh, c'est terrible. Ah là, vous méritez de perdre. Parce que là, il y avait. On passe d'une situation où il y a deux hôtels à 5 tirs plus un kill chromie à pas de kill chromie à. Oh, c'est FK dans son bush. What the fuck. Oh là là. Après, Mayev, elle a ruiné parce qu'elle pouvait s'escape là. D'où... Mayev, c'est le seul perso qui peut s'escape d'Arthas. What the fuck. Qu'est-ce qu'elle a fait. Voilà, Ewin.
Bah oui, mais t'as pas envie de ramener Arthas sur toi. Bah oui. Ça, c'est l'erreur classique. Mais elle a la chasseresse, pourquoi elle active pas? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait tilt. Bon, par contre, le problème, c'est que le sup à vouloir prendre le point, bah le problème, c'est... Enfin, c'est bien, hein, mais le problème, c'est que bah, là, c'est jamais Maiev de mourir en fait. Bon, à la limite, tu veux y aller, mais ok. Mais elle avait la chasseresse hein, pour s'en sortir. Oh, Gul'dan, il avait un free kill sur Arthas, c'est terrible. Après, perso, moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais quand même fini le kill sur Arthas. Je pense que tu t'es dit, c'est bon, Arthas est mort. Et là, les ghouls, à partir du moment où il a les ghouls, il est pas mort. Du coup, j'aurais assuré le kill sur Arthas, tout en jetant un œil sur Diablo, voir s'il se fait pas défoncer par Butcher. Et là, tu te rends compte que t'as l'autre niveau 1. Alors, le fear est pas mal. Ah non, tu prends pas. Ah, oh, t'as stun la copie au lieu de Chromie. Aïe, 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 aïe. Divine. T'as un Divine, Gul'dan meurt devant toi. C'est pas normal. Le pire, je pensais que vous aviez perdu, et le pire c'est que vous, c'est là où vous voyez que sur Heroes et surtout à Baello, il y a tellement d'erreurs qui sont faites de partout que vous pouvez revenir là. Vous pouvez comeback de ouf sur Steam Fight avec deux hôtels à 5 tirs. Donc là, deux hôtels à 5 tirs, bah, inutile de faire les comptes, hein. C'est 7 PV. 7 PV sur leur corps, vous avez deux camps de sapeurs, donc potentiellement 6 tirs en plus. Enfin, vous aviez limite gagné la game en fait. Et toi, genre sur Chromie. Ouais, t'as fait des grosses erreurs là, parce que déjà, en fait ce kill, même si tu lâches l'hôtel, si tu fais le kill, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est là Chromie, tu vois ton Diablo arriver, et l'idée est bonne, tu veux tag, mais t'as un 5v3, chaque kill pris, parce que là elle fait une erreur Chromie, il y a deux morts, donc là elle grid pour rien, il faut laisser tirer, c'est pas un problème, or là elle s'avance, il y a un 3v5, c'est même un 2 en termes d'occupation, c'est même un 2v5 parce qu'abattu il peut pas s'avancer, donc toi tu dois aller chercher le kill sur Chromie. Une fois que Chromie est mort, tu pourras prendre ton hôtel de toute façon, parce qu'on peut se dire oui c'est eux qui font de la merde, bah oui mais Uther c'est pas obligatoire, t'es pas prioritaire là, il faut pas le prendre maintenant, t'avais le temps en fait. Alors que là, vous tuez Chromie, vous tuez Arthas, bah il y a de nouveau deux morts et vous pouvez tag vos hôtels tranquilles en fait. Mais bon, t'attaques l'hôtel. Bon, malheureusement, Maiev peut pas l'aider. Et t'aurais le niveau 1, hein, ce serait tellement bien. Tellement bien. T'aurais pu purif le Arthas aussi, je pense. Enfin, le Thrall pour qu'il go sur Arthas avant qu'il se régène avec ses. En fait, c'est con, mais même. Tu vois, putain, c'est vraiment pour aller sur le dernier move. Le moment où il route, le Arthas. Si tu purifes le Thrall ne met pas 3 heures à chasser le Arthas et du coup Arthas n'aurait pas mis 3 heures pour pouvoir se régénérer avec ses ghouls, du coup il serait mort beaucoup plus vite. Tu vois là tu purifes le Thrall il go et il est enchaînement, il va lui péter la gueule. Qu'est-ce qu'il lui met déjà? Du coup le Arthas aurait pas régénéré autant. Alors t'as toujours ta purif là. Oh, regarde, un PV putain. Là le Thrall tu sais que quand il va tuer Arthas il va vous rejoindre. Hein. Là, moi là ce fight, bah sur ce fight tu mérites pas de win en fait. Genre là t'aurais pu tuer Chromie, à la limite t'as pris l'hôtel, ok. T'arrives là, Arthas aurait dû mourir, Arthas ne meurt pas parce que t'avais juste à mettre un stun. Hein. Tu mets un stun, Arthas meurt, Thrall arrive avec vous, il met une fracture, enfin ou alors bon il serait pas venu mais bon. Dans tous les cas Thrall vient, vous tuez beaucoup plus facilement Butcher parce qu'en plus il a le route toutes les 6 secondes donc vous allez pouvoir potentiellement tuer plus facilement le Butcher. Le fear est, même si le fear est pas terrible, même si la peau est pas terrible, etc, etc, en fait, tuer le mec le plus vite possible, ça permet au Thrall de revenir et tu vois que le Thrall il veut du sang, du coup le Thrall arrive plus vite, du coup le Thrall il y a les dégâts supplémentaires pour aller tuer Butcher, Thrall il est enchaînement, il a loup alpha, donc je peux te dire qu'il fait des dégâts, hein. Et du coup Butcher il se serait pas fait régène par Morales parce que Morales arrive et du coup elle a le temps de ramener le Butcher, et du coup Butcher s'il meurt, eh bien il n'y a pas la copie Butcher, ou la copie Butcher elle est toute seule et elle peut pas gérer le truc. Si tu divine shield le Gul'dan, bah il meurt pas aussi vite. Enfin, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Bon, du coup, ils prennent mid, ils vont prendre bot. Sur le papier, faut prendre bot. Les sapeurs, on peut les faire après. We got no main DPS, putain. Oh mon dieu, quel cassos. Et ils vont faire passer les sapeurs, il n'y a plus qu'un tir à passer. Ils vont faire passer les sapeurs, c'est bien joué.
triste. C'est dommage. Cette game était largement gagnable. Hein. Cette game était vraiment gagnable. Mais t'as pas assez d'impact. Tu vois, c'est typiquement en support ce genre de game où tu te dis ah mais c'est impossible de carry ces singes en sup machin. T'as pas assez d'impact. T'es tout le temps womb. T'as un build bah, où t'as pas pu apporter autant de dégâts ou autant de contrôle que t'aurais. Là t'as juste à contrôle Butcher Arta, c'est GG. Hein. Du coup merci à toi Dolkain pour le 6ème mois. Merci. Foutu Schmalgar, merci à toi. T'as pas assez d'impact. T'es womb H24. Sur 4 Divine Shield, il y en a 3 qui servent à rien. Du coup, oh non. Non. J'avais pas vu. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas vu. J'ai pas vu les améliorations. Réacteur Caduceus, très très fort sur Morales. Sable Perforant, très très fort sur Chromie. Conscience Collective, très très fort avec Butcher Arthas. Lame du Nexus, c'est un peu troll, mais bon, ça augmente les dégâts, donc pourquoi pas. L'armée des morts améliorée, moi je trouve ça pas ouf là dans la situation, mais ça reste bien. Cercle démoniaque, on l'a dit, c'est ok. Fracture, c'est ok. Chasseresse, c'est très très fort. Faut-il l'utiliser, ma chère Maiev? Les chaînes ici, c'est bien. Je pense qu'il vaut mieux l'auto, mais bon, c'est pas grave. UTR, soit amplifié. Alors ça n'augmente pas la régène, enfin, Radiant Sacré augmente de 40% tous les soins reçus par les alliés. Ça ne marche pas sur le régène naturel, ça ne marche, c'est pas soin amplifié, c'est pas le soin amplifié qui augmente la régénération de 40%. Parce que là ça marcherait du coup sur Thrall, sur Gul'dan, tout ça. Non, c'est les soins alliés, les soins reçus, donc ça améliore juste tes petits soins. Si tu piques Uther contre Butcher et Arthas, il faut que tu utilises l'activable qui te permet d'avoir double stun. Là, tu mets double stun, Arthas est mort H24 ici, Butcher est mort H24 aussi ici, si t'as le double stun. Et même, de toute façon, l'activable, si t'as besoin de plus de heal, tu mets l'activable et tu mets 2 Q, activable 2 Z. Mais là, tu dois mettre double stun sur le Butcher, tu mets un premier stun, tu remets un autre stun, et il est mort en fait. Et le pire, c'est qu'avec l'autre niveau 1, t'as potentiellement 3 stuns, parce que tu mets un stun, t'auto-attaque, t'auto-attaque. En fait, t'as le temps de limite de mettre 3 stuns dans un début de fight, sans compter le Divine Storm si tu joues Divine Storm. Mais bon, là, c'était... Du coup, c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, lui, il prend domination. De toute façon, je parlerai pas de ce Diablo, vous allez voir le guide Diablo. Mais c'est... Là, ton build est pas terrible. Tu as pas d'impact. Tu as pas assez d'impact, t'es quasiment sur... Chaque fight était oum. Il y a des moments où tu n'as pas. C'est vraiment dommage quoi. Tu vois, c'est con, mais le kill sur Arthas Bot, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait que vous auriez récupéré le fort beaucoup plus vite. Ça change tout ça. Vous prenez moins de tirs, vous en mettez plus. Il y a une énorme pression qui pose bot. Chaque camp de sapeur peut potentiellement vous envoyer des. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et bon, dommage. Dommage, dommage, dommage. J'avoue que sur Uther, je suis un peu triste parce que je fais des kits quand même. Bon, après, le guide Uther, je comprends, il est un peu plus vieux, mais dans tous les cas, je suis quand même triste parce que même si, à la limite, t'as voulu faire un build Q, ce que je peux comprendre, ce 16, jamais tu dois le jouer. Même en double support, déjà, c'était pas ouf, mais alors, c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin bon, tant pis. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Il y a plein de choses, ce qui est bien, hein, attention, je vais pas revenir dessus, je vais pas faire de résumé parce que déjà les vidéos sont longues, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de points à améliorer. Du coup, t'as plein de situations dans lesquelles tu peux travailler et t'auras beaucoup plus d'impact, hein, ça c'est certain. Merci beaucoup, Hamsh, pour le 19ème mois d'abonnement. Merci à toi. Et amazing. Non mais en tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile et n'hésite pas à revenir, sachant qu'on a fait une game viewer en plus hier ensemble. Donc voilà, n'hésite pas à travailler ces points-là. Et je peux te garantir que si t'as plus d'impact avec ton sup. Et en plus Uther, tu le sens quoi. Quand le mec il met les full stun et que tu prends des kills, tu le sens ton impact quoi. Donc travaille tes activables, ta purif aussi, ton divine shield, bon ça c'est un ultime, hein, c'est un peu plus dur. Et dans cette game, le Divine Storm aurait pu être tout à fait viable, hein, mais Divine Shield, quand même très intéressant. Enfin bon, voilà. Du coup, j'espère qu'elle t'aura été utile. On se fait plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. Et salut les amis. N'hésitez pas à suivre Malvenir sur Facebook et Twitter. Un petit follow sur Twitter, un petit like sur la page Facebook, ça coûte rien. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, partagez autour de vous. N'hésitez pas à lire cette putain de description où tout est marqué pour envoyer vos tableaux noirs. Et n'hésitez pas, évidemment, à commenter. Je vous fais plein de bisous.